Et bonsoir à tous, l'eFootball Club, c'est dès 21h30, on va revenir sur un programme d'anthologie, votre émission préférée n'a pas chômé. Putain, comme Nalka17 qui n'a pas chômé non plus. Merci tout le monde. Alors, qui je suis? Je suis Nalka17, tout simplement. On va se retrouver ce soir, effectivement, pour le eFootball Club. Donc, je suis chez Tatane, hein, la porte était ouverte, je ne me suis pas trop gêné. Voilà, donc on aura beaucoup de surprises. On aura également une interview de... Tu me rends? Ouais, tiens, ouais. Il va y avoir une interview de SNM, je peux quand même. Oui, vas-y. SNM, je te laisse. Quand même, il se passe pas mal de choses. On va être au courant de tout ça, puisqu'on va avoir du monde. On a fait du tennis, on va suivre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mercato, les résumés. On a également, je pense, une Team of the Week qui va arriver, ça devrait le faire. Deux. Et puis merci les gars, on se retrouve juste après, 21h30, eFootball Club. Ça marche. À toutes. Qui êtes-vous? Nalka. Vous partez, s'il vous plaît. Merci. Allez. Allez. Tout de suite là. Oui, oui, oui. C'est urgent. Je vous prends la chaise aussi. Oui, oui. Okay. Voilà. Merci. Et la balle, je peux. Non, non. Okay. La balle, non. Merci. Voilà, nous voici. Normalement, on nous entend, c'est tout bon. Ok, super. Bonsoir à tous. Bonsoir les gars. Okay, on est en même temps sur la Real. eFootball Club numéro 4, je crois, ou 3. Enfin, oui, bon, là, on compte. EFC. C'est ça, on ne compte même plus. Gros programme, les amis, aujourd'hui. On est avec du monde, on a des interviews, mais. On a franchement ce soir, on a du contenu, on a bossé toute la journée dessus. Je te le mets, mais en fait ça sert à rien. Puisque... Ouais, c'est vrai, parce que j'ai aussi, regardez, on a investi, on a tout maintenant. On a les micros à gauche, les micros à droite, la caméra, le fond vert, enfin, on a la totale les gars. Ouais, et ce soir, on a des surprises. Alors, je vais pas trop en dire tout de suite, mais on a du match de tennis. Ne me demandez pas pourquoi. On a des interviews. En fait, il n'y a que le tennis qui l'emballe. Il s'en bat les couilles. Ouais, c'est juste le tennis. Non, franchement, c'était. On va se mettre le chat aussi. Hein, on va mettre le chat aussi en direct. On va essayer de se le foutre sous les yeux. Tout ce qu'il y a. Des interviews de la Team of the Week. Quand j'ai des interviews, il y aura même une interview filmée parce que notre interviewé King Wanted, représentant président de la SNM, sera parmi nous. Donc ça va être plutôt sympa. On va se couper le retour, hein. On va se couper le retour en direct, comme ça au moins on est bon. On va se couper le retour, hein. Oui. Allez. C'est bon. En plus de ça, on aura également la Team of the Week qui va sortir, qui est en toute... qui est quasiment prête, hein. On peut bientôt la... Oui, la bah, ce sera en fin de live, hein. Ce sera en fin de live. Vous nous connaissez, on sait que vous aimez ça. Et puis non, on aura beaucoup de petites surprises, des jeux. Confirmez-nous que tout va bien niveau son et tout, c'est important. Oui, confirmez-nous que tout va bien de votre côté parce que là, un cheveu, pour le moment, putain. Un cheveu. Continue. C'est... Ok, d'accord. Bon, bah, c'est les lois du jeu. Ah voilà, c'était dégueulasse. Ah, vous savez quand vous avez un truc, vous pouvez pas parler, c'est chiant. Son nickel, ok. Caméra, tout est bon. Vous nous entendez bien, ça grésille pas. Top. Ça il a dit. Même Twitch, il a dit top. Et Twitch, pour qu'il soit satisfait, faut y aller. Je peux c'est te dire, il faut parfait. Y aller. C'est parfait. Donc ouais, gros programme. On commence par les internationaux peut-être. Oui. Et ben... C'est parti. Alors sachez que le FC Nantes a joué face à un club international. Il y a eu du lourd. Hein. Il y a eu du lourd et c'était sur cette même chaîne il y a 24 heures avec un certain Julien Yestude Brécard. Exactement. Tu connais? J'ai vraiment trop alors, envie de te le tendre. Ouais, tu peux, mais bon, c'est pas la peine. Garde-le, franchement. Bon, après, si tu veux, tu peux, hein, mais bon, ça fait double voix. Ouais. Oui, gros match aller-retour qui se sont déroulés hier sur cette chaîne. Yestude qui était à fond également pour commenter. Est-ce qu'on se ferait pas, pour démarrer tranquillement ce live, un petit retour en image sur ce match, enfin, sur ces matchs, avec en plus des petits commentaires. On se fait ça en direct. Alors, on a eu le montage. Nous, on n'a pas vraiment encore eu le temps de regarder les matchs, donc ça va être aussi une surprise pour nous. On ne sait pas quels sont les résultats. Oui, je me fous. Non, on va vous commenter tout ça du coup en direct.
Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, on balance les résultats tout de suite ou on laisse un peu de suspense? Ben non, on va laisser du suspense quand même. Mais après aussi, on reviendra aussi sur le championnat, hein, tout ce qui s'est passé, les résultats, les passeurs aussi. C'est important. Les passeurs, c'est important. Exactement. Et je sais que tu vas enchaîner sur un poste qui te tient à cœur. Les gardiens. Exactement, on fera une petite revue également des gardiens. On va démarrer directement. Là, le live va partir d'ici, d'ici le live, quelques instants. Enfin, le live, nous, on est déjà parti depuis un petit moment. Ce qui va partir, par contre, c'est la vidéo du match. Voilà, elle est là. Donc, Galatasaray, c'était le club, on l'a même pas dit. Exactement, et puis on voit tout de suite cette première action bien défendue par le FC Nantes. Donc, Galatasaray, effectivement, contre le FC Nantes qui s'est déroulé hier soir. Ouais, club turc qui est vraiment bien développé en 11v11. Hein. Ils ont toute une équipe, c'est une armada qui est là. Il y a des fois, de ce que j'ai eu dire, ils jouaient en public. Il y a même des supporters qui sont là pour eux. Donc, c'est ouf. Et cette frappe là qui est contrée. Encore peut-être la deuxième frappe. De nouveau contrée, ça repart sur le côté en bas. Un match qui a été très serré. Hein. Le premier match était très serré. On va le voir également dans quelques instants, quelques actions là qui nous sont proposées avec ce débordement sur le côté gauche. L'arbitre là, il a sévi. Sévi, comme on dit. Il a sévi. Ils n'ont pas sévi. D'accord. Donc, vous voyez, ce genre de blague, par exemple, c'est passible de licenciement en entreprise. Merci pour la précision. Je sens, messieurs, qu'on va bien. Messieurs, dames, peut-être également. Qu'on va bien. Oh qu'est-ce qui vous arrive? Il faut penser à tout le monde. Attention, peut-être sur cette frappe. Belle sortie du gardien parce que là, l'angle était quand même plutôt bien. C'est ça, et bonsoir à Nico Nino et Pepe Vargas qui nous rejoignent en cette soirée. Ils ont décidé de ne pas regarder l'Energy Music Award, visiblement. Ils ont bien raison parce que clairement, il n'y a pas photo. Oui, on peut. Puis Nalka va chanter un moment aussi. C'est... Ah bon? Non? On peut tout faire, hein. On peut tout faire, hein, les gars, dans le live de toute façon, il faut être prêt à tout. Et là, attention. C'est Ronaldo avec Ney, et regarde-moi cette passe de Ney, ce bijou. Ah, le contrôle! Comme dirait Zizou, le plus important dans le football, c'est le contrôle. Tu sais bien contrôler ta balle. Je crois qu'il a pas cette voix-là, en fait. Avec le petit accent du sud, un petit peu moins fort. On va pas partir dans l'ASMR, j'ai testé une fois sur mon live, ça a pas trop marché. C'était pas un live, c'était un flash et tu me l'as pourri, merci. Allez. Je fais en live. Il le fait partout, c'est sa seule vanne et l'arrêt du gardien. Chedge, baby. Et là, la tête derrière. Hein. N'hésitez pas en tout cas à faire tourner un petit peu le live, hein, sur vos réseaux, sur les groupes Facebook de Club Pro aussi, ils sont nombreux. Si vous avez des contacts, des grandes chaînes françaises, TF1, tout ça, vous partagez non. aussi. Ce plaisir, attention par contre là, on a une balle dans la surface, quand on est dans la surface généralement... 94ème, on est en prolongue en plus, et la frappe croisée. Oh là 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 là, l'enroulé des joueurs de Galatasaray, je ne connais même pas leur PSN pour tout te dire, mais... Moi non plus. Toi non plus. En tout cas, la frappe, belle frappe enroulée, 95ème, 1-0, du coup pour les joueurs de Galatasaray. Allez, Nantais, je peux te dire, ça leur change leur pain quotidien, et que je gagne 2-0, et que je gagne 2-1, et bah là... J'en connais un, monsieur Jesse Jackson. 83. Qui a pas trop... Mais peut-être, on est à la 117ème minute, attention, le match n'est peut-être pas terminé. Ah là, c'est un peu de à toi à moi. Et un résumé qui dure. Un résumé qui est assez long. On vous a dit qu'on proposait un peu de contenu, le match en complet. Résumé qui ne s'achève pas. Voilà, avec ce duel de tête qui s'arrête peut-être. Et c'est la 119ème, mais 50 secondes, il va falloir peut-être marquer là. Et la dernière carte. Touche, Ney qui récupère, on y croit. Allez, le FC Nantes, là, nous sommes tous Canaries. Oh, on y a tous cru. Même vous derrière votre écran, vous y avez cru. Il a regardé s'il y avait des commentaires, il est déçu pour tout vous dire, je crois. J'ai vu ce qu'il m'a dit Nalka SMR, donc ça me rappelle des souvenirs, et effectivement. Et on enchaîne sur un match retour. Match retour. Return. Coup, défaite 1-0 malheureusement du Nantisport sur le match aller. Ils vont jouer le risque, hein, en mettant des maillots jaunes contre des maillots orange, ça. C'est ce qu'on appelle avoir le goût du risque. Je pense que Jesse est fourbe au fond. C'est ça. Il voulait tester vraiment ses joueurs sur les capacités et l'acuité visuelle également. Oh, acuité visuelle, ça. Au Scrabble, c'est non recevable. C'est deux mots. Ça ne passe pas. Dommage. Et en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci et salut à Imaters et au grand Will Smith qui nous fait l'honneur d'être ici. Qui nous fait l'honneur, bien sûr. Et qui, selon la légende, est un habitué des Five entre communauté Club Pro. Ouh. Il y a du côté de Paris des Five. Contactez Will Smith, dites-lui je suis fort, j'aime le foot. Et on constate aussi que finalement c'était pas un choix si risqué que ça parce qu'on voit quand même bien la différence entre le jaune et le rouge. Et attention là, parce que là la petite défense, qu'est-ce qui se passe? L'interception?
Ah, c'était à moi ? Très bien. Ça, tu peux, hein, après je peux faire le commentaire tout seul si tu veux faire une petite pause déjà. Et là c'est vraiment magnifique, hein, cet enchaînement. Ah, voilà. On est obligé d'être calmé. On est obligé d'être déçu parce que nous forcément on soutient quand même le club français dans cette représentation internationale. Mais là pour le coup c'est vraiment bien joué, ça a vachement bien combiné. Là, le crochet qui a fait assez mal et puis la finition dans les près des 6 mètres. On salue King Wolf qui nous rejoint, Airwax qui se prépare, on va le voir en effet, il va venir nous faire un petit coucou pour son interview. Et Yastud nous dit que c'est Monsieur Five lui qui s'est arrêté. C'est Monsieur. Okay. Monsieur en majuscule. Et attention peut-être avec cette c'est le 2-0. 2-0. D'ailleurs, on a perdu la liaison, c'est une vanne. Faut pas faire des vannes comme ça les gars. Hein. Ah ouais, parce que nous, ce genre de choses, on a du mal un petit peu. Hein. Là, pour le coup. C'est pas drôle ça. Hein. Non, mais tout va bien. Ouais, pour les autres, bah écoute. Y'a pas d'image perdue en plus. Oh, attention, Will Smith. Ça, c'est carton jaune. Ça, c'est pas très très ouais, sympa. Carton jaune. C'est drôle, ça pourrait être sur des streams. Tu fais ouais, ça comme van, tu vas dans le chat. Oh là là. Attention, peut-être cette passe au deuxième. Ça poteau. Ressemble beaucoup à l'action de tout à l'heure. Exactement. En fait, Nantes, vous aimez bien. Les seconds poteaux Nantes, on retient. Voilà. On appellera Grégoire Margot. Qui joue le bus et deux qui jouent le second poteau. Je t'ai tendu le micro. J'ai entendu bus, je t'ai tendu le micro. C'est figé. Ah, c'est chez Will Smith. C'est bon. Bah, tant que c'est figé que chez Will Smith, on est Mais bon. C'est Monsieur Five quand même. Oui, c'est Monsieur Five. Et oui. D'ailleurs, Yastud, toi qui as commenté ce match, si tu as un petit retour à nous faire. Une anecdote peut-être, un truc qui t'est arrivé pendant ce live. Alors oui, par rapport au live si possible. Enfin, oui, par rapport au live. Si possible. Allez, 89ème, le FC Nantes qui commence à enterrer ses espoirs. Ouais, là c'est même plus qu'enterrer quand même. Peut-être comme l'équipe de France de Fed Cup. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, pardon. On parle tennis. Ce soir, les gars, le tennis, ça va être peut-être plus encore au cœur de l'action que le club pro. Attention, peut-être le 3-0. Voilà. Ouh là là, c'est chaud, le gardien, oui. Ouh, magnifique. Bon, c'est très beau, mais ça change pas grand-chose. Et You nous dit que c'est l'équipe la plus forte que Nantes ait affrontée cette saison, visiblement. Mais Nantes n'a jamais été aussi rincé. Bon, il leur a mis un bon taquet. Mais le Les mots de Jess. Bon, bah, si c'est Jess qui le dit. Si c'est Jess qui le dit. Mais Galatasaray, c'est vrai qu'il a l'air de très bien jouer, voilà, en tout cas. On voit que ça construit bien, ça se connaît bien. Peut-être le 3-0. Non, on laisse passer. Ils ont fait une Nantes. Ils ont esquivé une balle qui est arrivée sur eux. C'est ça. Ah non, moi je voyais plutôt le second poteau. Plutôt que le. Ah, mais non, tu as la ref, non ? La balle qui t'arrive dessus. Ah oui, bah. Non, mais ça, c'est que nous, c'est Oui, mais ça viendra. Ça sera bientôt. Rendez-vous à 22h30. D'ailleurs, je pense que c'est fini, hein, on peut le dire que là, c'est fini. Hein. Ouais, on voit la possession. Oui. On voit on est des connards. Ah bah voilà. Donc, ils sont drôles. Ah, Yeggman, il s'est pris 100 FA points, je sais pas pourquoi. Ok, bah super, bien joué. Yeggman, félicitations. 100 FA. Non, pas toi, pas Google. Bon, bref. Pardon, les gars, on va revenir avec vous. On se fait une petite interview. On va les prendre à revers, nos potes. On peut. Que tu veux faire ? Je sens que ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, moi, personnellement, je pense qu'on pourrait partir sur le petit quiz. Parce que là, du coup, on a les interviews qui démarrent à 22h. On peut se faire un petit quiz. Vous voyez la désapprobation ? Bah, moi, je pense le manager n'apprécie pas. Bon, ça pourrait être sympa. Bah, écoute, un quiz alors. Un Et quiz. Donc, on fait quoi ? 100 FA pour 200 ? 200 FA, premier qui répond. 200 FA ? Allez, on fait 200 FA, les gars, une question. C'est quoi le concept ? Alors le concept pour expliquer c'est simple, pendant toute la soirée on va vous faire à quelques petits moments deviner un joueur professionnel qui joue, qui a déjà joué en football, rien à voir avec le club pro, rien à voir avec le tennis non plus, je préfère préciser, un joueur qui a pu jouer, qui a pris sa retraite tout simplement, ou qui joue encore, et pour ça on va vous donner différents indices. Pour la précision, Ingman a gagné des faux FAP. Ok, bah c'est bien, tu as gagné des faux et femmes, bravo à toi. Allez, donc on première question, on surveille, attention, Alors on surveille le chat, le premier qui répond, la bonne réponse. Alors normalement personne ne peut le trouver parce qu'on l'a fait il y a quelques instants, donc normalement... Voilà, donc je vais commencer à donner quelques indices, petit à petit. Donc le premier joueur... Tu peux commencer. Je peux commencer. Ok, donc le premier joueur est un joueur qui est né en 1979, donc il a actuellement 40 ans, joueur français. Joueur français qui a effectué exactement 49 matchs en équipe de France. Donc ça, c'est déjà les premiers indices. On voit les marques. On voit pas les marques. Enchaîne. Il a joué également, avant de rejoindre le club dans lequel il a le plus joué, qui est l'Olympique Lyonnais. Il a démarré à Le Puy. Donc Le Puy, qui est un petit club, je sais pas si c'est du lycée. Le Puy Foot 43, aujourd'hui en National 2. On les embrasse. Ou en National même, en National. Ce joueur a également joué, alors je vais pas donner le nom du club parce que d'une c'est un peu dur de les dire et de deux ça donnera peut-être un indice. Il a joué dans un club grec. Tu peux faire un peu plus rapide s'il te plaît. Et puis enfin il a joué à également Evian Thonon-Gaillard
avant de prendre sa retraite, et sa retraite internationale également. Il a joué au poste de milieu... Pardon, Yestude, bonne réponse, Sydney. Sydney Govou, voilà, c'était... Bravo. Tu as gagné 200 FA. Ouais. Et voilà, donc c'était Sydney Govou, j'avais quasiment tout dit, il restait plus rien. Très bien, as-tu le bouchon de la bouteille de la marque que je ne peux pas si... Bah écoute, c'est... Ah, il est derrière toi, il est au niveau de, ouais, de ton postérieur. Bon. Benso Gabba va être bien tenté, mais ce n'est pas Benso Gabba qui, en tout cas, est assez régulier dans les Team of the Week. Et ça, c'est marrant parce que dès qu'on donne la réponse, tout le monde là, tout le monde ensuite a la bonne réponse. Mais c'est vrai que... bien tenté. Non, mais il est bien arrivé, il est bien arrivé. Félicitations, Yestud. On enchaîne avec quoi? On enchaîne, bah on a encore un petit peu de temps. Donc, à 22h, pour information, on va avoir les différentes interviews. On va avoir notre invité phare hein, qui est. King Wanted King également, qui va nous faire du coup quelques explications. On va avoir différentes questions avec lui, on va avoir des explications en fait, sur ce qui se passe. Résumons SNM en 30 secondes. C'est un club. On revient à UEFA, c'est assez brusque hein, quand même. On revient à UEFA. En Ligue Emerald, vous avez la chance d'avoir un club qui s'appelle SNM eFoot qui est. Je dirais une bonne équipe qui s'en sort bien, actuellement peut-être 6ème, tu sais quoi, on va aller voir le classement aussi. Ils sont 6ème, donc qualifiés en play-off. Mais il y a du tumulte un petit peu aussi sur ce club dans le hors-terrain. Et donc le président va venir un petit peu nous parler de tout ça, mais enfin aussi parler quand même du bon début. Alors on va voir le côté sportif, le côté extra-sportif. L'idée c'est un peu de savoir un petit peu plus ce qui se passe. Moi c'est vrai que j'étais également chez SNM eFoot. J'ai été, donc c'est pour le moment le seul club avec lequel j'ai joué en s'il y en a d'autres. Alors j'ai joué également, bon, pour l'anecdote, à XCIV, mais avant le début de la saison. Donc c'est le seul club avec qui j'ai joué. XCIV d'ailleurs, je vous embrasse. Officiel. Et puis du coup bah, on va voir tout ça avec lui en direct. Donc ce sera aux alentours de 22h15. Tu nous obtiens une petite confirmation de... Alors j'ai la confirmation, donc King Wanted Vas-y. Est disponible. Bah dis-lui qu'il vienne au plus vite, hein. C'est quoi, on se l'enchaîne hein. On peut se l'enchaîner tout ouais, de suite. Ouais, ouais. On va le prendre. Yo, Baptiste Bou. Ah, Gaëtan, il y en a qui connaissent ton nom. Bah bien sûr, Gaëtan ça représente Colmar. Mais c'est, ça te fait pas flipper, le gars connaît ton prénom quand même. Bah un petit peu, mais bon maintenant... Je pense que c'est flippant. Tu sais, c'est international. GO68, si tu peux décliner bah, 68, ton identité. Déjà, c'est dans le... Ah c'est dans l'Oran, c'est à côté de chez nous. Et bah écoute, on t'attend, GO. Et King qui me dit qu'il est dispo dans deux petites secondes. Allez, donc on va juste regarder le classement de cette conférence émeraude avant. Cette marque internationale du coup. je crois que tu peux la montrer, je crois. Okay, bon, bah, voilà. On n'a pas vu. On n'a pas grand chose de toute façon, donc ça non, va. On a pas vu. Et puis King en tête qui va donc arriver. Donc ouais. On va se péter un petit classement si tu veux bien. On va faire pas sûr. Un petit tour. J'ai un petit doute là sur le classement là. Sinon, on peut le regarder de notre côté et le commenter aussi en parallèle. Hein. Ouais. Parce bon. Qu'il me semble effectivement que SNM est à l'heure actuelle 6ème de la conférence émeraude. Donc, c'est vrai qu'ils étaient 4ème, ils ont failli passer 2ème là avec les résultats. Ils ont fait 2 matchs nuls cette semaine, donc ça a un petit peu ralenti le rythme. Mais c'est une équipe qui a quand même fait de très bons résultats. Qui se retrouve alors au niveau du classement. On a donc en premier Sam Crow, alors je parle de l'émeraude, en premier Sam Crow, en deuxième La Peste, en troisième Les Anciens qui remontent à la troisième place. Je ne l'ai pas malheureusement. Bestou et Obsession, quatrième et cinquième avec 30 points. SNM eFoot qui les suit de près avec 27 points. Septième, nous avons XCIV avec 26 points. Et ensuite nous avons Invictus, Poyo, Subitim ou Most Wanted, Orcs, Dim Team, Restart, Neox et le FCX. Donc on a quand même une équipe qui est bien classée, 27 points. Donc on est quand même à 7 points de la deuxième place et on est quand même à 4 points de la troisième place. Donc c'est quand même des résultats qui sont très bons. Là on est à 7 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Donc, techniquement c'est surtout beaucoup de matchs nuls qui, on va dire, ralentissent un peu le rythme. Mais autrement c'est un bon rythme qu'ils abordent depuis le début de saison. Très là, bien. On a King qui me semble disponible. Donc, on l'attend. On est en train de se connecter. Merci en tout cas pour ce petit classement là. Et on fera aussi un petit tour sur le classement Saphir après parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison qu'on y a parle pas de... que des émeraudes. Bah moi, je n'ai pas envie, en fait, Saphir. On verra dans le tennis, par exemple, qu'il y en a un qui se prend au jeu et qui est aussi pour les Saphirs. Il faut être pour tout le monde, hein. Faut pas être que pour les émeraudes. Ouais, non, moi, Saphir, pas ouf. Hein. Non, je rigole, les gars, bien sûr. Il y en a un qui a essayé de faire une commande pour une PSN card, à TrafMB. Ouais, bah écoutez, hein, si vous voulez. Alors, on n'a pas encore tout ça de là sur nous, mais si vous voulez, on peut faire... Il y a Misa qui doit peut-être passer, d'ailleurs. Misa. Oui. À ce qui paraît, mais on a aucune info là-dessus en fait. À ce qui paraît, il doit passer. Mystère. Donc peut-être qu'il est derrière ce fond vert. Ah, j'aimerais pas ça. C'est pas un fond vert.
C'était un décor et football club. Ce magnifique décor dans le, enfin dans le vestiaire, parce que là on est dans un. Oui, dans un vestiaire. Dans un vestiaire. Et Misa, il va khalas, on espère. Bon, par contre, notre invité est un peu relou là. Hein. Tu vois, ça plaît pas là. Donc, on le rappelle, hein, c'est Némi Foot. On va tout savoir sur ce club. Quand il répondra. Il est en train de. Il décroche le téléphone. Ouais. Donc, c'est cool. Ça se passe souvent comme ça. C'est bienvenue hein, dans l'univers des Stream Club Pro, voilà. Nalka. Tu découvres un petit peu comment ça se passe. Exactement. Tu veux nous faire le calendrier? T'as mis un coup dans la cam, par contre. Moi? Ouais. Si. Non, j'ai pas fait ça. Si, on regarde. Est-ce que j'ai... Moi, j'ai des... Ça va, ça n'a pas été dommageable. Donc, si. Saphir, classement? Bon, on va faire le classement Saphir. Allez, je suis désolé, hein, j'arrive pas à vous l'afficher, malheureusement. Alors, on va partir mais sur je pourrais vous afficher des résultats. Alors, sans aucun doute, en première place, nous avons... Non, je vais faire une petite blague, mais on va partir sur du sur du sérieux. C'est une... Vas-y. Une chose qui me fait rire. Vas-y, on t'écoute. Alors donc vas-y, du coup, non, c'était quoi la blague? C'était quoi la blague? C'était quoi? Non, je peux pas dire. Tu le diras quand on aura coupé. On en parlera un de ces quatre. Donc nous avons en première place avec 8 points d'avance sur le deuxième, le FC Nantes, qui est en train de faire un carnage. Une saison remarquable, un but encaissé en 16 matchs. Honnêtement, on a beau être une bonne équipe, on a beau être fort, c'est quand même impressionnant de prendre qu'un seul but en 16 matchs. Mmh. Bah, c'est sûr que c'était pas Nalka le gardien. Hein. Ou Tatane. Et ensuite, donc, on est en deuxième position, le Thunder Hawk avec 36 points. NSM qui les suit de près avec 33 points. Emetters qui remonte à la 4ème place avec 30 points. Ensuite, on a Alliance et Warthogs Wutang, égalité en 5ème. De Will Smith, du coup. À 28 points. On a également ensuite FRS Soccer, VAT aussi Sport, Never Back Down, MGFC, en 11e Authentics, en 12e FDA, le Red Blues en 13e, Devilly Football en 14e, et puis enfin pour clôturer le bal avec 7 et 5 points, le SC Toulon et Lyon La Duchère qui ont un petit peu du mal en ce début de saison. Merci bien, merci beaucoup. Voilà, donc on a pu gagner du temps, c'est bien, on a réussi à divertir. Et on a quelqu'un en plus, on a quelqu'un. On a un invité. Alors, ouais, on va l'entendre, mais je sais pas si on arrive à le voir, puisqu'il nous propose sa caméra, les amis, c'est une première. Hein. Une première. Alors, est-ce que tu nous entends, Kim Wanted? Oui, je vous entends. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Est-ce que le live l'entend? Est-ce que le live l'entend? Je pense que oui, puisque quand il boit, tu vois, ça bouge quand il parle, donc en général. Hein, voilà, plutôt, ouais. Mais si jamais, n'hésitez pas à nous dire, vous l'entendez. Ah, Will Smith nous a pas fait de blague. Will Smith qui est devenu sérieux. C'est bien, bien joué. Donc c'est parfait, bah écoute, je te laisse peut-être démarrer cette interview. Non. Ok, bon, on va rester là pendant 2 heures, on va le regarder tranquillement. Ouais, mais j'aimerais qu'on le voit, donc c'est pour ça que si tu peux démarrer, ça m'arrangerait, mais bon, c'est pas possible. Que je démarre? Bah si, bien sûr, on allez, peut commencer. Je vais écoute, essayer de... Kim, avant de démarrer, du coup... Ouais, bah salut. Ciao, hop là, ouh. Du coup, avant de démarrer, King, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, dire qui tu es, quel club tu représentes, la structure, enfin, expliquer un petit peu à tout le monde qui tu es. Je vous entends plus. Alors, est-ce que tu nous entends là? J'entendais plus Nalka. Ok, bah c'est l'essentiel. C'était l'essentiel, c'est que tu lui répondes en fait. Alors, peux-tu te présenter un petit peu par rapport au Club Pro Game, tout ça? Du coup, oui, donc moi c'est King Wanted, du coup, dans mon pseudo pour la PlayStation. Donc voilà, j'ai 21 ans, j'ai eu la structure de Monaco eSport, du coup, une très grosse structure que je représente. Je fais de la compétition depuis pas mal de FIFA déjà maintenant. Et. J'espère vraiment continuer comme ça. Hein. C'est un monde qui me plaît, on va dire. Et voilà. Ok, bah alors. Écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va... on fait un petit peu des on paramètres. On fait des petits réglages en direct. Ouais, j'espère qu'il ne nous a pas perdu en tête. Deux ceintures. Alors, donc toi, en tant que... Mais ça coupe pas mal. Là, c'est mieux, là? Ouais, c'est bon. Toi, en tant que président du coup de SNMI Foot, quel regard portes-tu sur ce début de saison qui est, en tout cas sportivement parlant, tout à fait honnête? Sportivement parlant, oui, c'est sûr, il y a de très bons résultats pour l'instant. 3 défaites, il n'y a pas beaucoup d'équipes avec seulement 3 défaites. Même moins, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, on a de quoi finir dans les 3 premiers, je pense. Il y a largement moyen à l'heure actuelle. Il y en a qui vont peut-être dire que les ambitions sont peut-être surélevées, mais moi, personnellement, je pense que c'est largement faisable. Ok.
Bah écoute, déjà c'est, on te félicite hein, parce qu'effectivement c'est un club qui a été créé, enfin une structure qui a été qui a pris du coup le début du club. Donc c'est la première année pour vous en UEFA ou vous avez déjà pu jouer auparavant? Je crois que c'est la première hein, pour vous. Non, c'est la première année, ouais. Ok, donc oui pour un Première début. année, tout Très bon aussi début, très bon confondu. début, très bon début. Par contre, vous avez fait, il est vrai, un petit peu parler de vous sur d'autres aspects, on va pas se mentir. Quel regard toi tu portes sur tout ça? J'ai pas compris la question, est-ce que tu peux la refaire? Oui. J'ai pas ça à Allez, couper. Ça a mais... coupé, là, j'ai pas tout entendu. C'est parce qu'il parle pas très Je bien sais même pas français dans quel encore. micro il nous entend, C'est à pour vrai ça. dire, mais. Je disais donc que au-delà du sportif, tout ne s'est pas passé comme, Comme prévu. comme prévu. Voilà. Voilà, vous faites un petit peu parler de vous des fois. Qu'est-ce que tu peux En bien en... comme en mal, Oui, il y mais a eu qu'est-ce que des tu en points penses, toi, positifs. en tant que président? Ben moi personnellement, pour parler cru, ça me fait chier, hein, ça me fait clairement chier d'avoir autant de problèmes au sein de mon effectif. Après, les résultats sont là, donc bon, j'essaye de faire un peu passer les résultats avant le bien-être à l'intérieur du club, mais bon, c'est sûr que voilà, point de vue bien-être, point de vue extérieur, point de vue de toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, oui, c'est pas top ambiance. À SNM et j'espère que ça va se relever d'ici quelques temps quoi. D'accord, ok, ouais. Donc toi, pour toi en tout cas, c'est vrai que c'est un début, on va dire, assez mitigé, on va dire, au niveau extra-sportif. Alors, juste, je C'est fais une petite ça. coupure en parallèle, je pense que là, au niveau de ta petite tête, hein, on va pas se le cacher, on va peut-être pas réussir à te mettre en direct, donc on t'entend, c'est déjà l'essentiel, c'est un interview, donc au final, c'est le plus C'est important. comme 100% des Ah, c'est interviews, dommage, quoi. Voilà. je m'étais mis beau gosse en plus, c'est Oui, dommage. on voit ça, il avait mis C'est la. vrai qu'il a mis les petits plats dans les grands, hein. Exactement. Mais on Donc essaye de trouver une solution, mais... voilà, donc en même temps, on va continuer tout ça en parallèle. Donc là, on a parlé du début de saison, on a parlé de ce qui se passe actuellement. Toi, comment tu envisages déjà un petit peu la fin de saison? Est-ce que les ambitions sont toujours les mêmes qu'en début de saison? Parce que je sais que c'était de finir dans le top 3, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, comment vous allez vous y prendre pour y arriver? Et est-ce que, bah, clairement, alors là, on l'a vu au niveau du classement, c'est tout à fait faisable. Est-ce que vous y croyez? Comment vous voyez la suite? Moi, personnellement, malgré que tout le monde sait les problèmes en ce moment avec mon manager actuel en place, malgré ça, on se parle quand même, hein, on échange quand même, on est obligé, point de vue club, tout ça administratif, on est obligé d'échanger. Et D'accord. lui, il me répète bien que son objectif, c'est bien les 3 premiers du championnat. Moi, je lui ai fait comprendre que c'était largement faisable aussi. Voilà, après, moi, j'espère juste une meilleure place possible. Après, voilà, je cracherai pas dessus sur ce qu'il a fait, dans le sens que. Voilà, il a tenu ses promesses. Il m'avait dit qu'il jouerait le haut de tableau. Actuellement, on joue le haut de tableau, donc c'est les promesses tenues. Après, voilà, c'est que ce qui s'est passé à l'intérieur du club qui a été néfaste pour nous. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir résultat plus bonne entente Bah, dès une première saison comme ça. Ça peut arriver, hein, mais bon, c'est c'est un compliqué. peu étonnant. T'as l'air d'expliquer qu'il y a des problèmes en interne. Déjà, bon, c'est vrai que on a eu vent, je pense, quand on suit un petit peu, mais on ne sait pas trop non plus. Peut-être tu pourrais nous en dire plus à ce niveau-là. Mais aussi, on constate que ça te choque pas en fait que tu dis on peut pas tout avoir. Bah, si, enfin, t'es pas Bah, obligé d'avoir une entente, en voilà. fait c'est complètement j'ai complètement lâché prise moi à ce niveau-là parce que j'étais arrivé avec des grandes ambitions on va dire sur UEFA et le fait d'avoir eu autant de tensions en fait ça m'a obligé à me mettre moi-même à l'écart de mon équipe hein. J'ai même plus de contact avec les joueurs actuellement Attends, le GM. donc tu restes, enfin tu es président du club. Oui, je suis président du club, je suis président officiellement, même au sein de la structure. C'est moi qui ai reconnu comme le représentant de Monaco eSport, mais pour le bien-être de l'équipe, je pense que ça a été mieux pour moi de me mettre à l'écart en attendant cette fin de saison et après pouvoir discuter d'autres choses pour la prochaine. D'accord, donc tu te mets à l'écart pour la caméra. Pour la caméra, non. pour les chances de ton équipe. C'est ce qui est aujourd'hui, tu penses, le mieux pour ton équipe. Oui, voilà, je veux pas faire de C'est polémique. rare quand Après, même de se mettre. ça regarde que nous, mais bon, Très je bien. pense que ça a été le.
j'étais, enfin, c'était mieux pour nous, quoi. C'était mieux comme ça. Il n'y avait pas d'entente avec le GM actuel, donc c'était, ça servait à rien d'affoler tous les joueurs et de créer des soucis interclub. Ça a été mieux de s'écarter, et voilà. Ouais. Ouais, non, je d'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Est-ce que on a d'autres questions à poser à notre ami? Bah écoute, non. Alors moi, peut-être une question. C'est vrai que maintenant, quand tu t'es un peu écarté, on va dire, du club, là, jusque, tu nous expliques jusqu'à la fin de saison. Toi, à titre personnel, en tant que joueur, parce que tu es président, mais tu es également joueur en UEFA, quels sont tes projets du coup personnels en tant que joueur? C'est quoi? C'est de finir la saison? Il y a le mercato là qui est actuellement. Qui est, on fera d'ailleurs une petite page mercato. Il y a le mercato qui est en cours. Est-ce que tu es intéressé pour changer de club et jouer avec un autre club tant que président? Mais moi personnellement, on a eu beaucoup de départs là, SNM. On a eu beaucoup de départs. J'ai géré beaucoup de transferts. Là, pour l'instant, au niveau arrivée, on a une arrivée pour l'instant qui va être faite. D'accord. Mais beaucoup de départs. À nous donner au niveau de ce mercato, l'arrivée qui est peut-être le joueur. Déjà pour les départs, on a Lens Benz qui va partir pour MGFC. D'accord. On a Lucas RC Lens qui est parti pour Emetters. Très bon. On a qui c'est qui est parti d'autre? On a Maldini qui est parti pour Never Back Down. Ok. Et nous, sinon, pour niveau arrivé, on a Kevin Co, Kevin, je sais plus comment c'est quoi son PSN de Most Wanted. D'accord, ok. Ouais, donc vous avez quand même latéral. Du trafic, des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. Du trafic, non mais ouais, ça veut dire pas mal. Et du monde qui vient. Excuse-le, hein. Non mais c'est comme du trafic sur la route, tu vois. Oui. Non mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit que ça bouge beaucoup. Il y a des ambitions de recrutement parce que là, du coup, on est en live, il y a quand même pas mal de monde qui regarde en même temps. Peut-être des joueurs qui cherchent un club. Mmh. Est-ce qu'il y a peut-être une annonce que tu souhaites faire là en direct pour. Non. Moi, je bosse principalement pour mon équipe, pour le futur. Je travaille déjà pour la saison 2. Donc, okay. Je pense que j'ai plus de temps à laisser pour ma structure parce que voilà, j'ai une structure à représenter qui me laisse, on va dire, tout entre parenthèses géré, et non, je suis obligé de la représenter, quoi. Ok, d'accord. Ouais, bah du coup. C'est ce qu'il fait d'ailleurs actuellement. Beaucoup de travail pour la deuxième saison, quoi. Vous avez des questions à poser à notre ami dans le live? Ouais, si chat, vous avez pardon. Des questions peut-être à poser à King, c'est le moment. Là, on a encore deux petites minutes avec lui avant de continuer le programme du soir. Ouais, le libre cours de la soirée. On a un petit top but aussi qui va arriver. Non, sympa. Préparé par nos soins directement. Oui. Bien organisé. Alors, oui. On en a trouvé quand même quelques-uns. On va pas se le cacher. Dans le top but, un peu claqué. Bah, on en parlera avec Erwan d'ailleurs, je pense. Voilà, hein. Erwan, je pense. On va en parler. Faut qu'on parle. On ne verra pas, mais on va en parler. Donc, visiblement, écoute, on te laisse plutôt tranquille dans le chat. Il ne t'embête pas. Bah, il y a Casemiro89 qui a fait la même petite blague que hier soir, qui dit qu'il est dispo. Bon, c'est un joueur du FC Nantes hein, maintenant. Enfin, si je dis pas de bêtises, mais qui n'est effectivement pas dispo, à moins que Jesse Jackson veut lui taper un peu sur les fesses. Et puis sinon... Sur quoi? Sur... voilà. Et sinon, on a Lucas Arsenance qui dit bon courage à SNM, et puis... Ouais, beaucoup de messages d'encouragement pour toi, mon cher Wanted. Ouais, du bon courage. Non, mais si je dois dire deux, trois choses, déjà, je remercie déjà la structure qui sont encore là actuellement, malgré tout ça, qui voient tous les problèmes internes, tout ça, et ils sont encore là à me soutenir. Ouais, c'est sûr. Et je les remercie énormément pour tout, en fait. Et sinon, un merci malgré tout au manager actuellement en place, ouais, qui a su tenir quand même l'équipe jusque maintenant. Et voilà, quoi. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, on te reprendra une prochaine fois, vu comment tu t'es bien habillé quand même pour passer. Je suis très déçu. Je pensais passer à la caméra. Et voilà. Ouais, je pense que pour ce soir. Tu veux essayer de l'appeler pour voir? Bah, du coup, on fera qu'un autre peut-être, mais. De l'appeler? Bah, de faire l'appel peut-être. Ouais, non, ça va être chaud. Bon, enfin, pardon. Écoute, merci beaucoup, mec. Merci, King, d'être venu. Librement de nous expliquer un petit peu la situation. Alors là, il y a quand même un fusil sur sa tempe.
C'était librement. Librement. Oui, bon, okay. Bon. Là, on t'a menacé, on t'a dit si tu viens pas, il y a un ouais, mec qui vient des... te. Ouais, il y a des gens là qui sont derrière lui, mais. Voilà. En tout cas, merci bon, à toi d'être venu. C'était du... Wanted. Merde. Il a raccroché. Bon bah. Ciao, merci Wanted. Merci, la bise. En tout cas, merci d'être venu. Et puis bah là, on va allez, continuer. On prend quelqu'un d'interview, on fait un quiz, on fait ce que tu veux. Le top allez, ouais, on part sur un petit quiz. Un après, quiz 200 et FAP, s'il vous plaît. Après, Yestude. Un joueur à deviner. Faut deviner un joueur de foot, les gars. On observe le chat. Je suis comme ça, moi. Un joueur, alors celui-là devrait être un petit peu plus simple. Normalement, un joueur qui est un peu plus connu, mm-hmm. surtout pour des joueurs qui jouent peut-être sur... Benjamin Nivet. Ouais, tu vois, il balance tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Alors, au niveau de ce joueur, donc, on va aller un petit peu plus vite. C'est un joueur qui est né en 1973, donc il a actuellement 46 ans. Généralement, pour donner un indice, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui jouent au niveau pro à 46 ans. Voilà. Benjamin Nivet. Il a joué au poste de défenseur et également au poste de milieu de terrain. Donc sa carrière pro c'est de 92 à 2014, donc c'est pas non plus trop éloigné. C'est un joueur qui est droitier argentin, qui a démarré, qui a fait plus de 1000 matchs en pro. Il a joué au Est-ce que c'est Cahuzac? C'est Cahuzac, non, c'est pas du tout Cahuzac. Cahuzac n'est pas argentin. Vas-y, continue. Qui a joué 33 matchs au CA Talleres, ma 66 matchs au CA Banfield. C'est pas Mascherano. Et enfin. Là, normalement, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il a joué 858 matchs avec l'Inter pour 26 buts marqués. Et donc, 145 non plus. Matchs également avec l'équipe d'Argentine. Le dernier indice qui vous fait trouver, normalement, c'est actuellement le vice-président de l'Inter Milan. Voilà. Donc là, normalement... Voilà Warthogs Dogs Et non, parce qu'on a du Zanetti un petit peu plus ah. haut. Mais tu ah ne oui. sais pas lire. Ah oui, pardon. Mais pas non, c'est bon, pas là non plus. Là. C'est là. Tom Hercelance. Tom Hercelance, comme ton nom ne l'indique pas, c'est un joueur de l'Inter. Voilà, c'est un joueur de l'Inter. Donc, Tom Hercelance, tu 200 points. 200 FAB, donc on a ouais, tout ça. Sur un et, puis, et puis voilà, bravo. Donc, c'est effectivement Javier Zanetti. Zanetti. Plus d'infos. Ok. Ça vous fait plaisir ce petit jeu là, vous kiffez? Dites-le ouais, c'est des épaves gratos, hein. C'est, ça part, ouais. Ça vient tout de suite comme ça. Vous avez juste besoin d'écrire un petit nom et puis ça vient. Voilà. Je vous propose d'enchaîner. Voilà, donc moi ce que je propose, il est 22h13. Dans 15 minutes, dans 15 minutes, les amis. Dans 15 minutes, les gars, il y a le moment que moi j'attends le plus. C'était un moment vraiment. On a vous allez, de plaisir ça à va faire. Être Team Tatan contre Team Nalka en fait. Voilà. Il va falloir donc, parier. Il va falloir être pour l'un ou l'autre. Voilà. Moi je propose d'être vous savez, hein. Non, mais, ouais, ça va, vous savez. Enfin, vous ça savez. Dépend si vous préférez perdre ou gagner. Bon, fait votre bah, choix, mais... si vous voulez, hein, les gars, c'est là que ça se passe. Hein, <c'est... rire> bon. Du coup, ça, ce sera dans 15 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est. Il y a un bingo ? C'est dégueulasse, ça. Les mecs bingo. Font un bingo pendant notre live, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Alors. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Hop, alors. Non, il n'y a pas de bingo. Alors, le bingo, vous expliquez, c'est la nouveauté du Discord de la semaine, franchement. De le Discord de la semaine. Non, il n'y a pas de bingo. on en fera un, vous inquiétez pas. Quand Misa, si Misa vient, non. Déjà fini le stream. Non, les gars, attendez, c'est à quelle mais heure qu'est-ce 21h32. Mais pourquoi tu parles de ça ? Je sais pas, je lis le Discord. Mais c'est à 21h30, oh eh, faut pas dire ça. Mais putain, Will Smith 2, là, faut pas dire ça, poteau. Exactement, bien vu. Alors, donc ce qu'on disait. Putain, tu m'as fait peur. Est-ce qu'on ferait pas un bingo là en direct non, avec tout le monde quand Misa arrive. Si Misa vient, si vous voyez Misa, il arrive là, bingo. Et moi, j'annonce 500 FAP au gagnant. Ça va. Plus. 5 euros. 5 euros PSN. Une PSN de 5 euros à gagner. De 10. De 30. Non, c'est lui qui va trouver. Tu viens d'arriver quand même. Donc. Une PSN de 10 euros à gagner si okay. Misa débarque. Donc, juste, on vous explique le principe du bingo. En fait, c'est. Vous allez sur le Discord. C'est quand ça tombe. Hein, faut... Voilà, ça tombe quand ça tombe. Hein. C'est pas maintenant en tout cas. Faut trouver un nombre entre 0 et 1000 et en gros il y a une espèce de chasse au trésor qui se lance entre tout le monde, vous avez 60 secondes et puis bah c'est 10 et plus, c'est moins, un peu comme le juste prix à l'époque. Tu regardais toi le juste prix ? Ouais. C'est sympa. Bah hein. Il y a d'ailleurs une bonne... Avec Vincent Lagaffe. Ouais. C'est des passages malaisants comme ça, pour escalier. Mais non franchement... Ouais. Qu'est-ce alors, qu'on non, fait le bingo ne démarre pas là. Hein. Putain ils ont lancé des bingos, wesh, calmez-vous les gars. Ici il n'y a pas de bingo. Calm down, calm down. So, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, moi je te propose qu'on oui. a 15 minutes, on va démarrer tranquillement. On se fait une interview pendant deux minutes. Interviews. On en prend ouais, un. On en prend un en interview, les gars. On a un petit vivier de joueurs. On va appeler, on va voir qui c'est qui répond. C'est le standard. Le standard. Le standard. Le standard de Liège. On appelle avec la cam. T'arrêtes de frapper la cam ? Là par contre, tu crois qu'on est décalé. Bah là, je pense que tu as mis un sale coup, oui. On ah est ouais, bien décalé. Ouais, c'est mais quoi ça là-bas ? Oh putain ! Vas-y, va remettre, vas-y. Vas-y. T'es encore V technique là. Tu remets ça, t'es gentil. Après, tu nous remets la cam. La cam, je vais le faire moi. Bienvenue hein, sur eSport FA, les gars.
Mais en même temps, le vestiaire, s'il est allez, cassé, vas-y. Ouais, le vestiaire est partout. Je cache. Je cache. Voilà. Non, mais regarde, c'est vas-y, vas-y. Mais tu remets. Prends ton temps, t'inquiète. Je le ferai sinon. Donc voilà, il ne se passe rien là-bas. Non, c'est là-bas. Bonsoir sur Discord. Bonsoir. Alors, il y a le retour, bonsoir. Les amis. Si vous pouvez couper votre tour, je vous remercie chaleureusement. On va se remettre. Ouais, super, casse tout. On va pas tout casser. Ah, salut les gars. Tu peux te taire. Salut. Tu peux genre te taire. Donc, ouais, on est en interview, les gars. On va faire ça pendant 2 minutes. Je prends qui en premier? Premier qui est chaud là. Peu importe. Hein. Ah, super, vous avez. Mais tu sais qu'ils sont tous connectés. Ils ont hyper faim. Ils sont tous connectés. Bon, allez, je prends au hasard. C'est qui le pro de l'an? Ah, Lindsay, c'est ça, Lindsay? Ouais, Lindsay, ouais. Vas-y, ben, on va parler juste une petite minute. On met juste la cam, comme ça on peut se remettre. Oui. Alors, FC Nantes, les gars, vous êtes en train de faire une performance assez ouf. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, réparation très rapide. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de tout ça? Tu prends du plaisir à venir tous les jours t'entraîner? Bah, ouais, ça serait difficile de dire non. Après, moi, je suis arrivé au dernier mercato. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours, 2 semaines. Mais ouais, bon, c'est sûr que dans cette équipe, on est obligé de prendre du plaisir. Hein. Après, Jesse gère bien le groupe, il gère bien les stratégies, tout ça, donc. Donc toi, mal, tu es un ancien de la peste. C'est ça. Alors même à la peste, est-ce que tu étais pas même, t'as pas peut-être eu, tu m'excuses si je dis de la merde, mais une saison un petit peu sur le banc, en tout cas où tu jouais un peu moins sur UEFA. Non, pas du tout. Hein. À la peste, c'était un peu une équipe, merde, on va dire, en rotation. Non, c'est pas de la merde. Non, c'est une équipe un peu en rotation, à part les joueurs phares qui étaient là dans l'équipe depuis longtemps. Mais sinon, non, on faisait genre 2 soirs sur 4, plus ou moins des soirées comme ça, quoi. Très bien. Du coup, moi, j'ai aussi une question. Est-ce que ça te change complètement? C'est vrai qu'au niveau de la compétition, ça reste 2 équipes qui jouent la première place indirectement. Hein, est-ce que toi, ça te change beaucoup le... On va dire le projet de jeu qu'il y avait à la peste maintenant que tu es arrivé au FC Nantes, ou ça reste un peu dans la même optique? C'est un peu, on va dire, des clubs qui se ressemblent intérieurement, ou c'est une toute autre expérience? J'ai pas compris. Moi j'ai compris. Bah, ouais, j'ai compris. Les deux clubs, ils jouent le haut de tableau, ils veulent les deux gagner et tout. Donc sur ce point-là, on va dire le point compétitif, c'est le même. Mais okay. Après, au niveau du jeu, c'est complètement différent, quoi. Ok, qu'est-ce qui change? On va dire que JSI est beaucoup plus stratège que les GM de la peste, tu vois, ils ont un jeu un peu plus direct, tout ça, mais après, je dénigre pas le jeu, hein, c'est... Okay. Chacun voit comme il veut, mais ouais. Tant que ça gagne, c'est plus important. Ouais, il aime ça. Hein. Bah écoute, merci beaucoup, Lindsay. Est-ce que tu as une dédicace à faire passer? Ouais, Kazé, je t'aime. C'est beau. C'est très beau. D'ailleurs, tu as eu commenté une fois... C'est un homme ou... Kazé est un homme. Ok, bon... Ça te pose un problème, visiblement. Ouais, non, bah, Kazé, c'est un bon. Ça me dérange pas, mais au moins... Non, franchement... Bon. Pour franchement, Chabat, une dédicace à tout le FC Nantes. T'as une commande, tout là, le FC Nantes, là. Ok. Ok, merci beaucoup. Ça me donne envie de repasser la scène du et Zoom, continuez vois, ce que vous faites, hein, Julien, Tatane et Nalka, c'est propre. Eh bah, ben écoute, salut à Julien. Yestud, peut-être, un peu plus. Bien sûr, Yestud pour ceux qui me connaissent. Ouais, Yestud. Julien Yestud. Julien Yestud Brécard qu'on embrasse. Allez, bah merci beaucoup. On repassera, les gars. Hein. On repassera. Je t'en prie. Tu peux quitter Lindsay, tu peux, voilà. Vous pouvez repartir. On vous rappelle pour le prochain interview. Ouais, ouais. Dans... Ça reviendra. Vous êtes là. Il y en a, ils y passeront pas, les gars. Je suis là, t'inquiète. Merci. Voilà. On a quitté les gueux. C'est beau, hein. C'est les gueux, un peu. Les gueux. On va les voir, toi. On dirait une taverne. Ils sont là, posés. On débarque un petit peu. Alors, il y a Anna qui rigole bien. Il rigole bien et ça parle beaucoup d'appareil génital, j'ai l'impression, dans ce chat. En fait, dès qu'on vous lance un petit peu, j'ai l'impression d'être assez réactif sur tout ce qui est les AG. Voilà, donc ouais, ça marche plutôt bien. Vous avez vu la séquence du bisou? Moi, j'ai envie de la remettre, je me fais un kiff. Tu veux voir la séquence du bisou? La séquence. Lui, il est vraiment perturbé par ça. Hein. Bah, c'est... c'est assez rare, effectivement, d'avoir ce genre d'élément, mais c'est vrai que. Et c'est Nalka qui a eu la chance de le commenter. On n'en parle pas assez, mais suivi du magnifique festival que tu nous avais préparé pour la première victoire de Neox Pandore. Oh, Neox Pandore, oui. Qui a un petit peu, cette scène qui a un petit peu fait parler, qui a fait couler un peu d'encre. Non, il était content. Mais dans le sens positif, content. Hein, pas dans le sens négatif, oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'était marrant. Après, je sais plus, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont un peu plus de mal à démarrer ce début de saison. Mais comme on l'a dit, il faut surtout rester actif parce que c'est surtout en hiver que tout va se jouer. Là, on peut être en... très bien classé en début de saison et puis tout à fait, c'est que la première saison, il y a aussi l'EFL hiver qui va arriver et puis la dernière saison qui regroupera les 16 meilleurs sur les deux EFL, donc ça va être assez ouf. Allez, regardez ce qui s'est passé dans le flash la semaine dernière, petit extrait comme ça.
Je crois qu'on y est. Faut que tu cliques sur OK. Oui, mais... Il jouait contre la Horse qui est en blanc. La Horse qui démarre très fort ce match avec un but dès le début du match. Est-ce que Invictus va réagir? Ça, on le saura peut-être ou peut-être pas. On le saura effectivement 83e minute. Un, coup, un petit bisou, alors on le saura pas en tout cas. C'est pas ça. Et d'abord, c'est les joueurs qui s'aiment. Voilà. Non, pas chier. Enfin, tu vois, on fait des beaux. Voilà. Vous voyez, on a travaillé toute la journée pour des moments comme ça. Enfin, ça, on n'a pas travaillé. Non, on n'a pas travaillé longtemps. Il est en retard. Ah, j'ai... ça parle de France 3 aussi. Ouais, bah toi, bah, d'ailleurs, il vous en a peut-être pas, il vous en a peut-être parlé dans le Flash Info, mais pas en live. Non, mais... Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes? Mais non, on s'en tape, les gars. 30 secondes pour ton magnifique Blablacar. Bah non, mais enfin, je suis juste passé sur France 3 pour aller Blablacar, c'est tout, il y a rien de... Super, bravo. France 3 en région, France 3 en région, qu'on embrasse, qui font un travail formidable auprès de nos régions. Ah, ouais, tout bah, à fait, c'est moins tout ouf à fait. Que France 3, tu vois. C'est moins ouf. Mais en même temps, c'est... Oui, même temps, je préfère... C'est Et on dit, la calva... je crois que la calvasse de Misa, c'est dans la tête. En tout cas, j'adore l'expression calvasse. Je crois que c'est la caboche. La calvasse, c'est la calvasse. Ici, non ? Mais Misa, elle a une calvasse. Un peu, non ? Je sais pas. Misa, si tu nous on lui demandera. Nous informer sur l'état de ta santé capillaire. Merci, Misa. N'oublie pas, il est calvici, 22h22. Calvici. Que des deux, dans 8 minutes. Ouais, on se fait un top but d'ici là ? Un petit top but, c'est parti. Alors, 5 actions qui nous ont marqué récemment. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment faire partie de ce top but. Il suffit d'aller sur le Discord. On va le faire. Vous ne le voyez pas, mais sur le Discord, Discord FA, vous avez un salon qui s'appelle Top But. Et dans ce salon-là, je ne demande pas en vrai, vous pouvez poster vos meilleurs buts, mais ça marche aussi pour les arrêts de gardien, ça marche pour les tacles, ça marche pour les moments fail, ça marche pour quoi ? Pour tout. Dès que vous avez un truc qui s'est passé d'un peu d'anormal, vous le mettez. Après, ne spammez pas non plus n'importe quoi, parce qu'on a eu dans Top But, par exemple, on va le montrer. Par exemple, on commence par ça, tu veux ? Ouais, le Top But d'Erwan, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'Arwan c'est un peu foutu de top but, il s'est un petit peu foutu de à vous, gueule. Vous savez quoi ? À vous de juger. À vous de juger, voilà. On va le charger donc tu peux continuer. Mais voilà, donc, tout est possible. En attendant, pour le programme, ce qui nous reste encore à voir, on a de belles choses comme ça. On va voir un petit une peu. Team of the week. Une team of the week. Une team of the week qui va arriver bientôt. Donc le rendu est terminé. Je vais peut-être. Tu veux t'emparer de la clé USB ? La clé USB, ben, où est-elle ? Je vais te faire chercher le. Allez, vas-y, fais un peu de. Hein. Allez. Mais moi, je me lève tout le temps, hein. Toi, tu fouilles. Bah, c'est qui là, c'est qui, manager Web TV, c'est qui ? Certes, mais. Merci. Merci. Allez, c'est bon. Putain, je jure, c'est jeune. Est-ce que c'est un petit micro portatif ? Non. Okay. On le présentera dans les flashs, c'est quoi ? Il sera là. Il sera là. Ah oui, il est au tennis, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, j'ai que 4 clips, en fait. Oui, c'est normal. Donc. On va voir le top 5, les gars. C'est un but marqué par Imators. Wesh! Alors, il est très bien fait. Je sais que je me mets dans l'autre sens. Voilà. Je sais même pas comment je vais vous le tourner, les gars. Alors, on s'en fout, il est moche. Ouais, voilà, vous le voyez. Voilà, ça, c'est. Voilà, Wix qui fait une. Passe. Une passe PES, hein, on appelle une passe ça. PES, ça voilà. Ça et ça, c'est un top but, ça, ce qui mais paraît. Ça, apparemment, Erwan, c'est un top but. Donc, bon, tu te fous un peu de notre gueule. Ah, Erwan, ce qu'il dit, vous connaissez pas le foot. Oui, bon, c'est... Bon, c'est vrai qu'on connaît pas bien le foot, mais quand même. Ouais, mais bon... Non, mais parce que Arbox, lui, connaît le foot, hein, bien sûr. Hein. On en parlera avec lui après dans l'interview. S'il arrive à répondre. Ils se battent hein, tous pour l'interview. Allez, top 4. Nouveau, bah top 2 des buts, en fait, parce qu'après, c'est deux trucs, un arrêt et une connerie. En fait, c'est un top 5 buts en 2 buts. Ouais. Voilà, là, c'est l'obsession gaming. Regardez-moi ça, on l'avait vu dans le flash, celui-là, en plus. N'Golo. Merveille de passe pour Ronaldo en volée. Moi je kiffe. Hein. La frappe franchement sèche d'un coup comme ça. Non, je refais plus ça. Ouais, non. Mais la frappe en tout cas, très très belle frappe, très belle passe aussi. Et c'est pour gagner 3-0. 3-0. Ça c'est magnifique. Et 1 et 2 et 3-0. Et on se met sur le but. Ah mais non, mais du coup je vais pas y arriver puisque j'arrive pas à... C'était le top 1 but, c'était voilà, le but numéro 1. But sur 1, c'est bien. Sur 2, sur 2. Oui mais l'autre il était en... Ouais donc... Voilà, sur 1,5. c'est bien, c'est déjà... l'important c'est de gagner. Hein, de ouais, toute façon, ouais. Voilà. Donc bravo à toi. C'est Ronaldo, hein, Ronaldo. OBS Ronaldo. OBS Ronaldo. Tu gagnes notre respect. Voilà, bravo. C'est peut-être pas grand chose à tes yeux, mais... Oh je pense que si. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as une petite dédicace hein, dans le live, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et on enchaîne avec un triple arrêt. Attends, observe ça. C'est Geronimo. Et là encore. Ah, là, ça, c'est du rugby. Ouais, c'est du rugby. Son défenseur. Et c'est Geronimo.
Un bel arrêt. Gironimo, le gardien de Invictus District, qui, si on regarde le nom, est censé jouer en District, mais il ne joue pas en District. Ouais, il joue en Emerald. Tu savais pas, t'es des Ligue 1, tu vois, il a essayé de s'en dépatrer. On connaît les petits streamers de Kaamelott, là, de merde. Hein. Ouais. Ouais. Oui, on les connaît, ils sont là. Oui. Bon, dernière petite image de notre petit top but, c'est une simulation. Ouais, donc en fait, c'est tout sauf un top but, c'est un top de tout. Comment il s'appelle le salon sur Discord? Tu dis là. Pardon? Comment il s'appelle le salon sur Discord? Il a un nom, c'est un hashtag avec top et ce que t'as dit avant là. Merci. C'est quoi déjà? Top but. Ah ouais, c'est ça. Allez, regardez ça, c'est notre ami Sino. Professionnel en la matière. Regardez ça, c'est Kira là qui va essayer de faire une pareille. Sino, il vient récupérer la balle et là, BAM! Franchement, elle est propre. Hein. Ouais, elle est très jolie. Net et sans bavure. Bon, la prochaine fois, ce serait quand même mieux de le faire quand il y a un adversaire qui est à côté. Là, c'est un peu gros quoi. Tout à fait. Voilà pour ce top but. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 27. Est-ce qu'on. Tu sais où est le rendu au moins? Dans vidéo, tu vas sur ton PC. Ah, je connais mieux ton PC que. Fais tout. Ah, c'est pas district, c'est distinct. Ah ouais? Il m'a quand même dit trois fois cet après-midi. Bah ouais, c'est district. Moi ouais, je crois que c'est district. Bravo. Applaudis, hein. Applaudissez-le derrière votre écran. Oh monsieur. Et il est en panique totale. Vous voyez pas sa tête parce que là on voit juste le haut de son crâne. C'est district. Il est en panique. Vas-y, mais renommez-vous district en plus. C'est... Tu bois quoi là? Ouh là là. Une merde, il boit, les gars. Il était plein aujourd'hui. C'est aussi en plus les pizzas qu'il mange là, des cholestérols en veux-tu, en voilà. Il parle de quoi là? Ah, de la pizza que j'ai mangée avant. Mm. Ah, parce que c'est un rituel, sauf que monsieur n'a pas voulu manger de pizza. Mais c'est du cholestérol. Bon, bref. Oui. Est-ce qu'on se lancerait pas déjà? Tu peux le mettre sur la clé? Mais fais-le! Non! vidéo! Là. Comment tu là, fais ça? Voilà, là, tu prends là, tu vas sur vidéo et tu. Non, mais pas là, mais ouvre l'explorateur. Tu peux fermer le logiciel si tu fais bugger, ferme-le. Ah, bah, c'est plus du bug, hein. Vas-y, laisse. Je te ferme. Laisse. Oui, oui. Je te laisse animer le capital. Je ne sais pas faire, moi. Ah ben, si je dois tout faire aussi, après, moi, je suis perdu. Donc, ok, les gars, c'est 28. Dans 2 minutes, ça va commencer. Vous allez pouvoir voter. Alors, est-ce que You peut me faire un signe, me dire qu'est-ce qu'il va falloir voter concrètement? Est-ce que c'est un point d'exclamation Nalka, point d'exclamation Tatane? Si tu peux me faire un retour rapide, comme ça, on peut lancer ça. Et c'est ouf, vous allez voir ça. En tout cas, moi, je précise On sait ce qui s'est passé, nous. Nous, on sait ce qui s'est passé. On sait tout ce qui s'est passé, mais franchement, c'était fun. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. C'était sympa. C'était une expérience, on va dire, plus que un tournage. C'est bien flippant, quand même. Oui, enfin, non, on va rester oui, vraiment si, sur si, le... Si. Bon, on va se taper une petite interview, les gars, et puis on revient juste après, du coup, pour le jeu. J'attends que... You, si tu m'entends, peux-tu me dire qu'est-ce qu'on va voter? Parce que votez les gars, votez, mais quoi? Yes, je suis là. Ouais, donc dis-nous qu'est-ce qu'il va falloir voter. Merci. Allez, petite interview. On prend au hasard le premier qui répond. The first to answer us. Je peux répondre moi? Ah, c'est O'Black. Ah, O'Black a répondu en premier. Oui, allô O'Black? Allô, allô. T'es payé O'Black? Oui, j'attends. Vous voyez ce que je suis un peu. Bonsoir. Bonsoir O'Black. Alors, je crois qu'il est concerné par du transfert O'Black. C'est exact. Hein. En fait, si vous voulez, je vais expliquer vite fait. Oui. Ce qu'il y a, c'est que j'étais à Bestou. Bestou. Et il y a eu un transfert qui a tourné et que j'allais à Emetteur, ce qui est exact, bien sûr. Oui. J'ai un transfert en cours à Emetteur. Oui. Qui est en cours de négociation encore. Et j'attends des nouvelles d'ici là encore. Pour savoir si oui ou non mon transfert va passer. Mais les gars, ne votez pas encore, on va vous expliquer. On va vous expliquer parce que... Non, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez être dans son côté, vous êtes de son côté. Bon, on a une interview à tenir. Qu'est-ce qu'on lui dit, monsieur O'Black? O'Black, alors du coup, moi je rebondis sur le fait aussi que tu jouais chez Bestou avant. Comment ça se passait? Parce que là, vous avez fait un très très gros début de saison. Il y a de l'écho, les gars. Ouais, il y a un petit écho. Si vous pouvez juste couper le retour sur le live. Et du coup, ouais, O'Black, pourquoi ce choix de partir de Bestou? Parce que vous faites un gros début de saison, c'est quoi? Il y a eu de la concurrence, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi changer? Il y a eu de la concurrence en soi, mais c'est aussi un choix personnel par rapport à mes horaires aussi. Parce que, comment dire, EFA Emerald n'allait pas avec mon horaire. Ok. Déjà de base. Okay. C'était pas les jours où je pouvais la jouer. Du coup, je me suis dit, c'est compte payer d'avoir ma licence. Tu évites les gros mots, s'il te plaît?
Désolé. Ce serait bête de, d'avoir payé pour ne pas jouer, en fait, tout court. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça rentre aussi dans mes... Enfin, EFL... EFA, pardon. Safir rentrait plus dans mon vrai, en fait. Mais tu sais qu'il est bien dégoûté parce qu'il s'attendait à du clash, à des choses qui finissent mal. Et c'est juste un horaire, tu vois. Quand ça finit bien, non, non, c'est bien, pas que c'est ça. Bien, c'est pas que ça. Il y avait, bah, il y avait de la concurrence aussi, mais comment dire, la concurrence était saine. Enfin, moi, j'avais pas de problème avec ça. Ok, mais en tout cas, ça a resté une belle expérience pour toi, Bestou et Imateur. Du coup, t'as déjà. C'est le montant avec Imateur, ce qui fait que c'est encore en négociation. Pardon. Est-ce que c'est au niveau du montant que ça bloque? Tu as dit que c'était encore en négociation ton transfert. Non, non, c'est juste qu'en fait, ils sont en train de discuter. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant par rapport à mon transfert, donc je ne sais pas si c'est par rapport au montant que ça bloque, etc. Mais je ne sais pas en fait. J'attends des nouvelles en fait des managers d'ici peu, de Hasdang d'ici peu pour pouvoir okay. savoir où j'en suis. Ok, mais en tout cas, c'est con. Ça va être... c'est con. Tu penses que ça va être. Non. Est-ce que tu penses que ça va être confirmé? Ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un rebondissement et qu'au final le transfert soit abandonné? Avorté. Avorté, même, ouais, effectivement, en plein mercato. Je pense, franchement, je pense que ça va passer parce que je connais les GM de Bestou, je sais qu'ils sont. Ils sont pas, enfin ils sont bien en fait dans leur tête, etc. Du coup, ils sont bien dans leur tête. Et du coup, je pense qu'ils vont accepter qu'il n'y aura pas de problème par rapport au transfert. Ok, bah écoute, est-ce que tu souhaites faire une dédicace peut-être, un truc, profite. Non, pas spécialement, mais juste merci à Emmetters d'avoir pris le temps de me tester, etc. Pour prendre... Ah bah tiens, un petit mot de Airbox, futur collègue, qu'est-ce que tu aurais à dire à... À Oblak. Un petit truc sur le vestiaire ou un truc qu'il faut savoir, genre quand t'arrives il faut checker, il faut pointer, je sais pas. Regarde dans les douches ou... Bah, il connaît mieux les terrains que moi, hein. C'est pas spécial à Emmetters, hein. C'est comme d'habitude, hein. Il le sait. Merci. Merci pour ce témoignage. On reviendra te voir, Airwax. Très, très fort. Et... On reviendra te voir parce qu'on est à la bourse, c'est 33 là. C'est 33 et puis là, bah, on va devoir de lancer. On repassera. Merci beaucoup, Oblak et Airwax, à tout de suite. Avec plaisir. Allez, on a quitté. C'est... Lui, il est sympa hein, parce qu'en pleine phrase, toujours. Ouais, mais on n'a pas le temps. Pas d'au revoir. Parti, les gars. On passe au moment, les gars. Alors, on vous a beaucoup teasé là-dessus pour de bonnes raisons parce que vous allez voir. Donc, je vous explique. Aujourd'hui, donc ce matin, ouais, on a décidé. Sûr, on peut le dire. Bah, ouais, est-ce que l'intro va pas... On lance l'intro, les gars. Sachez qu'on est juste allé tourner dans des conditions extrêmes. C'est parti, on lance l'intro. Allez, et puis après vous jouez. Hein. Après, Tatane, c'est parti. Et salut les gars, bon, on se retrouve en pleine journée. C'est les nous du passé en quelque sorte. C'est ça, bah, parce que là vous nous voyez ce soir, maintenant vous nous voyez ce matin. Tennis en 3 points, mon gars. Parier. Non, j'ai perdu les 4. Enfin, ouais, il est pas bien, il est pas bien là. On va se refaire. Bon, vous pariez les gars, on vous explique tout ça, on se retrouve juste après pour le match en 3 points. Il est déjà parti. Ça me fait trop rire parce que sur le retour, avec sa dégaine, on dirait genre un tennisman professionnel. Genre, ça fait 15 ans qu'il en fait. Mais voilà donc, comme on vous l'a expliqué, on est allé faire un petit tennis ce matin pour vous faire gagner des EFA. Donc, tout ça rien que pour vous. Pour gagner, c'est simple. Soit vous pensez que Tatane m'a battu une sixième fois, du coup. Oui, c'est vrai que... Soit vous pensez que j'ai réussi à créer l'exploit et à bah, battre tous les pronostics et à gagner, du coup, et revenir en gagnant cette partie qui comptait finalement pour le live. Pour voter, point d'exclamation Tatane, point d'exclamation Nalka. Imman, il a dit, je ressemble plus à un arbitre et un joueur de tennis. Je te remercie. Donc, bah ouais, les gars, voilà. Qui est-ce qui va gagner ce match en 3 points? Vous avez jusqu'à 22h40 pour voter. Il vous reste 5 minutes. Il vous reste 5 minutes, et puis dans 5 minutes, on balance le, on balance le match. Peut-être qu'il y a eu une grosse. Peux-tu surprise. Parler de ton expérience tennis, peut-être, pour les. Non, il n'y a pas, franchement. Bah, je sais pas, si, mais si, tu m'as déjà. Enfin, genre, raconte-leur. Pour, ouais. Pour essayer d'aider à parier sur toi ou... Alors, mon expérience tennis, c'était pendant quelques années quand j'étais petit. Quand j'étais vraiment plus jeune. Autrement, il s'est pas passé grand-chose. J'étais classé, j'ai eu une petite déconvenue en T'as match. Insulté un arbitre aussi. Ça, c'est des détails qui sont... Non. Donc, voilà, j'ai été effectivement déclassé suite à ça. Mais Non, j'étais resté dans les bas du tennis, quoi. J'ai pas fait ça. Voilà.
Voilà, donc si c'est, ça vous permet de voter pour moi, allez-y. Contrairement à Tatane, donc, qui a fait du tennis en professionnel pendant 14 ans, c'est bien ça? Non. Voilà, donc pas du tout. Non, moi, je vous dis que tout est possible dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves et voter la team Nalka. Ça vote Tatane en majorité, hein, si on regarde. Moi, je vous dis voter Nalka. Il y a Sloni qui a voté Nalka. On va citer ceux qui votent Nalka, vous savez quoi? On va citer Zenox. Des gens qui disent pourquoi j'ai voté Tatane. Ben voilà, vous, même Will Smith vous. Qui dit que t'as pas l'air serein. Toi ou moi? Will Smith. Toi. Ouais, c'est... Bah après, moi je ne dis rien. Hein. Ça se trouve, j'ai foutu une branlée à Tatane. Ça se trouve, il m'a foutu une sixième branlée. Ou. Bon, match nul, ça n'existe pas, mais. En tout cas. On ne sait pas, mais en tout cas, moi je dis juste que je vous invite à voter la team Nalka très fortement. Merci à Yestude hein, qui nous a mis en place tout ça. Là, c'est magnifique. Il y a même le bot qui a fait des petites relances, tu vois. Donc c'est Nalka ou Tatane avec un point d'exclamation. Il vous reste 3 minutes avant de voir le match. 3-7 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on fait en 3 minutes? Bah... On s'en va. Bon bah salut les gars, on vient d'entrer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire? On va pas mettre une Team of the Week, c'est abusé. On est en train d'arriver. Team of the Week, elle est en train d'arriver. Donc je sais même pas quel câble on va débrancher, mon gars. Bah la caméra, ton micro, mon micro. Enfin, un choix. Choisissez quel câble on débranchera. Alors, soit on fait sauter mon micro, soit on fait sauter le sien, ou soit on fait sauter la cam. C'est vous qui voyez, les gars. Franchement, hein. Je pense que le plus. Moi, je ferais sauter la cam. Pour vos yeux, c'est. T'as vu? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ou alors, la cam, on la tourne un peu plus juste sur moi et on débranche son micro. Comme ça, on fait genre juste, c'est mon live, tu vois. Ah ouais. Ça peut être. Ah ouais. Mais après, il y a Misa, il va t'envoyer un message, il va te dire pourquoi les vues, elles ont baissé, frère. C'est pas comme si ça arrivait en plus, hein. C'est. Hein. C'est pas comme oui. Si ça pouvait tout à fait arriver, là, genre, je ressens un truc, frère, les vieux, non, on abuse. Bah, écoutez, il reste 3 minutes, on wow, va... deux petites minutes. On fait une interview d'Airvox, allez, on va passer... On va savoir le pronom d'Airvox aussi, qu'est-ce qu'il en pense. Écoute, il a voté pour toi, je crois, mais... Ah. Viens, je déguise ma voix. Alors, attends, une idée d'Airvox à 22h. L'idée d'Airvox. Je déguise ma voix et tu fais deviner qui je suis en me posant des questions. Allez, Airvox, on fait ça, donc, on allez. Va partir avec Airvox. Allez, on va... Vas-y. On saura pas qui tu es, Airvox. C'est parti, Airvox. De toute façon, il a pas vu, un peu de chance. Je pense qu'il a je vu. Je pense hein, qu'il est en train de regarder le live. Ouais. Alors, on appelle salut Airvox Airvox spécifiquement. Hein. Salut Airvox, tu es en live, donc déguise ta voix, comme ça on va pouvoir deviner. On dira pas que c'est Airvox comme ça. Derrière toi, Airvox. Des comiques. Hein. Je crois qu'il vient de nous. Il vient de nous insulter? Non, il vient de littéralement casser notre blague. Du coup, Airvox, tu es également chez eMatters. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, là, en vraiment très très rapide, ton passé de joueur, ton passé actuel Comment t'as connu le club pro de compète, tout ça, voilà. Ton rapport au mode de jeu? Ouais, bah, moi j'avais commencé le week-end avec Wartox, là, chez Wartox Dogs, qui a dissous bah, avant le début de l'EFL. Puis je suis resté FA jusqu'au dernier mercato, comme Lindsay qui a rejoint le FC Nantes il y a 15 jours, le dernier mercato. Moi j'ai rejoint Emetters. Et voilà, depuis 15 jours, là, je suis chez Emetters. Et voilà. Assure pas dans ton micro, on te petit conseil. C'est tout. Je respire pas. Il a deux doigts de souffler dedans, tu sais. S'il dit, mais non, faut pas, je respire. Respire pas, j'arrête de respirer. Ok. Ouais, ça marche. Grosse semaine. Ouais, grosse semaine, ouais. Effectivement, pour Emetters. Vous avez fait des bons résultats. Vous êtes remonté à la 4ème place. 4-0 Alliance. 4-0 Alliance. C'est quoi la forme du moment? Comment ça. Enfin, pas comment ça se fait, mais comment t'expliques du coup que là, il y a un tel rebondissement et qu'Emetters se projette aussi haut du classement? On est à la 5ème place, donc tu vois, c'est un peu le. On va dire le chemin final avant les playoffs, tu vois, donc tout le monde veut se qualifier. Et là, c'est un début de semaine qu'on a des équipes comme Alliance qui sont en concurrence avec nous pour passer aux playoffs. Donc, bah, il fallait un boost et c'était celui-là. Donc, on a fait un gros résultat face à eux. Ok, bon, bah écoute. Il a envie de voir son match, il a envie de voir un match de tennis. On a envie lui. De voir le match de tennis, mais en tout cas. Qui va gagner selon toi? Ouais, qui va gagner à ton avis? Plutôt Nalka, plutôt Tatane? Plutôt Tatane, plutôt Nalka. Ouais, je voterai pour Nalka. Ça, c'est un bon ça. Belle argumentation en tout cas. Merci pour ton argument. Et puis bah écoute, merci pour l'interview et puis... T'as une dédicace à faire? Une dédicace? Ouais, bah la huche m'a demandé, donc je vais dédicacer la huche. Ah, il t'a demandé, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, là, tu sais, ça le faisait chier. Très bien, merci beaucoup. Merci Erwan. Ciao, bon live. Merci.
Il y a de l'attention, un peu, là. Hein. Là, il y a de l'attention. Là, maintenant, c'est fini au niveau des votes. Ouais. Tu vois, Will Smith qui dit j'avais pas l'air serein, au final, il vote. Hein. Il vote n'a qu'un. Ouais, et on va faire un tirage au sort, les gars, dès la fin du match. Je pense que Yestu le fera. Et petite dédicace de Asding à Erwan, on est quatrième connard. Voilà. Je précise, au cas où, si jamais, Erwan, vous êtes donc quatrième. C'est pas mal. C'est ton président ou ton GM. C'est Voilà, ouais, c'est président. On va, ouais. Donc, Youd, juste précise-moi si jamais il faut qu'on fasse un truc pour le gagnant, mais sinon, bah, on te fait confiance. Et puis, c'est parti, les gars, le match Nalka vs Tatane en 3 points. C'est bon match à tous. Faites que pas extraire du matin. Bon match. Premier à 3 points, ça va être tennis normal, les gars. Pas de couloir. De service. Vas-y. Ah! Ah putain de merde! Putain! Volet de revers qui me coûte cher là, les gars. 1-0 Nalka. Ouais, on va servir. Team Tatane, les gars. Ah, c'est pas mal. Oh bâtard! Wouah! Oh l'enculé! Oh l'enculé! Je vous avoue, j'ai mis un peu tout ce que j'avais sur ce verre. Enfin, respectez-moi, je suis pas un gros joueur. Oh le bâtard! 2-0 Nalka! Attention! Ah ah oh, si je l'ai touché, j'avais perdu, les gars. Je sais pas si on l'a dans la cam. Si je l'ai touché, j'avais perdu. 2-1. 2-1 Nalka. Ah! Oh la faute! Ah là là! 2-2. Service Nalka. Balle de match de part et d'autre. 2-2, point décisif. Le suspense est à son paroxysme. Comme dirait notre cher You. Allez, ma déconcentré, You, elle est pour toi celle-là. Ah, ah. Voilà. La team Nalka qui l'emporte ce soir. Il a serré la main sur l'adversaire, mais il y a un peu les boules. Une réaction ? Une réaction à chaud, écoute, pas très mérité parce que j'en ai perdu quand même 5 avant. Mais je suis content. Une preuve de plus que je suis bien français, les gars, on perd quand il ne faut pas perdre. Je vais fermer les yeux. Ah putain ! Ah, les commentaires, les gars, vous êtes des génies. Ah punaise ! Je ferme les yeux et. Ok. Wow. Bah voilà. Voilà. Non mais là c'est trop. Voilà. Wow. Bah bien joué Nalka. Merci. Victoire 3-2. Ah mais enfin il y a eu vraiment 15 matchs et il a gagné le bon en tout cas. Wow. Et bien joué les gars en tout cas, merci d'avoir cru en moi. Et on a un gagnant ou pas? Non, non, c'est qu'il n'a pas mis ses gagnants. Donc voilà, le gagnant, les gars, ce sont ceux qui ont voté Nalka et vous étiez assez peu nombreux au final. Non, ça va, au final, il y en a quelques-uns. Ouais, mais il y a eu plus de. Ouais, mais ils ont vite regretté, on a vu ça dans le chat. Alors moi, j'ai vraiment kiffé aussi Asding qui dit j'ai payé 16 euros pour ça. Non, vous êtes des génies. Franchement, c'était pas grave. Merci pour les commentaires. Mais en tout cas, non, c'était kiffant. Dites-nous si ça vous a plu, ce genre de concept, parce que sinon, on peut trouver d'autres idées, on peut faire d'autres trucs sympas. Ouais. Mais si ça vous plaît, dites-le nous. Si ça vous plaît pas, dites-le nous. Ah, il y a King Wolf qui veut un match à rejouer. Pff, il est fatigué après. Hein, il... Alors après pour les, on précise juste un truc au niveau du mic. En fait, il y en avait un sur moi, donc du coup forcément vous m'entendiez de très près, puis on n'entendait pas. Voilà. C'est bon. Mais Nalka qui criait aussi. Hein. Ouais, moi je criais. Un peu. Crie comme une salope. Hein. J'ai pas dit ça. Ça c'est brutal. Pour la défense, les services à la cuillère c'est pour moi parce que du coup je suis pas très très fort au tennis donc. Il est en reprise. On a servi tranquillement. Là. Et mise à arbitre pour le prochain. Je vois bien au milieu là. Fatigué. Sur le banc debout.
Il n'y a pas de chaise d'arbitre, là on était donc juste debout sur un banc comme ça. Voilà. Mais ouais, on va voir, je pense pas qu'il soit très très chaud, mais... Mais en tout cas, Nalka qui a su gagner le bon match, voilà, donc bah, il va y avoir un gagnant qui va être tiré au sort. C'est Soulja. Soulja qui a gagné. Soulja, et bah donc, écoute, Soulja, c'est 500 bravo. EFAB, c'est ça 500 non, 1000 les... Allez, on met 1000. On met 1000, hein. Allez, 1000 EFAB, Soulja. Bien bravo. Tu as parié sur le bon cheval. Je suis pas un cheval, mais t'as parié sur le bon gars, en tout cas. Merci mais beaucoup, Yastune, également, pour le support de cheval, ce... Tu arrêtes? Pour le support de tout ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Mais dites-nous hein, si ça vous a plu ou pas, sans déconner. C'est bon, vrai que... Ça change un petit peu. On en essaye, parce que c'est vrai que les communautés, généralement, club pro, on a du foot, du club pro. Là, on essaye de faire deux, trois petits trucs qui bougent un petit peu. On essaye de révolutionner le club pro game. On essaye de révolutionner le club pro game. C'est pas un peu trop ambitieux comme ouais, phrase? Ouais, non, mais on essaye de faire des petits trucs qui changent. Bon, cela dit, c'est vrai qu'on innove un petit peu, c'est vrai. C'est vrai. Un peu de changement quand même. C'est vrai. Mmh. Faut pas qu'on le dise, ça passe pas, c'est pas très. Ouais. Puis après, tu sais, dans les autres, s'il y en a, ils font des lives, ils vont dire genre, ouais, t'as vu, ils ont dit quoi et tout. Ouais. Salut. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Un concours de tir à 3 points, bah, je pense que Anna pourrait le faire. Mais ouais, faites, même vous, si vous voulez, si vous avez un peu de matos, filmez-vous, les gars, vous nous envoyez ça. On fait genre Anna face à. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les Team of the Week, on n'a pas fait. On n'a pas fait le Nantes, si on l'a fait. Les buteurs-passeurs, on peut pas aller les voir, merde. Bon, buteurs-passeurs, on le fera la semaine prochaine, les gars, je suis vraiment désolé. Un petit quiz, j'ai encore un petit quiz, allez, pour 200 EFAP. 200 EFAP encore pour le moment. Les deux vainqueurs sont. Ouais, je le mets à 500, moi, celui-là. Je le mets à 500. Il est dur. 500. Je le mets à 500. Il prend la responsabilité. Et on va appeler Misa après, on va le sortir des nouvelles quand même. J'ai appelé Misa, moi. Bah écoute, si tu veux, tu peux l'appeler, mais en attendant, je fais. Ah, mais je peux pas là. Des pénaux avec un cul rouge. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Non, mais faut que j'appelle Misa. Bah, je peux l'appeler là. Ouais, vas-y, tiens. Tu crois qu'il répond pas s'il connaît pas le numéro? Ah, ouais, peut-être. Attends, je mets. Bon, allez, vas-y, mets le live. Comme ça, on a le. On arrive, hein. On arrive, les mecs. Et puis après, on va faire quoi? On va se rentrer. On fera mercato. On va se rentrer, mais oui. On va se rentrer. Super, en live. Devant tout le monde. Non, mais non. Non. Mais non. C'est toi qui dis les gosses. Mais non, mais on va se. Mais non, mais. Est-ce que vous dites on va se rentrer de manière. Non, c'est une expression qui. On va rentrer chez nous, quoi, c'est tout. Si vous dites pas on va se rentrer, bah. Non, mais on dit pas tout le temps non plus. C'est. Bon, j'appelle Misa. Je m'en aille, peut-être, je te laisse gérer. Ouais, écoute, on va faire ça donc. Pendant que cet homme s'en va, hein. Ouais, je suis dans le. Ouais, allô. Ah merde, je comprends pas le coup. Fais le live, voilà. Toi, tu fais quoi? Mais tu vas te détendre, on va se détendre, monsieur. Alors, donc, du coup, nous, on va partir pour. on va se rentrer. On va se rentrer, on va s'enculer. Voilà les termes. Mais bon, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Ok, c'est bon, on va partir sur le jeu. Bon, Misa répond on pas. On va deviner du coup le dernier joueur, donc ça c'est pour 500 FA. Pour ce joueur, donc on va faire pareil, on va faire un tout petit peu plus doucement, de toute façon on a un petit peu de temps. Bon, allez, non, vas-y. Allez. Vous êtes tendu, monsieur Tatan. Détendez-le un petit peu, hein. Parce que moi je suis pas trop hâte de ça, mais détendez-le un petit peu dans le chat. Du coup, au niveau du joueur, comme je l'ai dit avant, l'année de naissance, prenez bien en compte, il a 35 ans, donc il est né en 1983, il est d'origine allemande. Il joue au poste, il a démarré au poste de milieu défensif. Un peu plus que d'origine. Oui, il est allemand, voilà. Il a débuté au poste de milieu défensif pour terminer ensuite, enfin pour jouer ensuite au poste de latéral. Il a fait donc tous ses matchs actuellement, il les a fait en Allemagne, donc 86 matchs. Tweets. Ils sont rapides, hein. Philippe Lam. Ils sont forts. Lam. 500 EFAP pour tweet. Tu en vas noter tout ça, mais. Vous l'avez scié. Je vous le dis. Je me suis dit, comme il est encore. Il y a 35 ans, je me suis dit, il a arrêté de jouer. Je me suis dit, 35 ans, ils vont se dire, il joue encore. Mais, bon, mais non. Pas... Mais non. Ok, bon, bah. Bah voilà. Bah, okay. Je crois qu'on peut s'en aller. Voilà. On va parler mercato quand même, hein. On va parler mercato. Je pense que bon, ça fait un bon petit live quand même. Hein. Ouais, ça nous fait un bon petit live là pour le moment. On va pouvoir. Est-ce que tu as réussi à avoir la Team of the Week sur. Yeah, of course. On débranche quoi? Alors, oui, dites-nous. Le premier message qui va descendre, on va le prendre. On débranche le grand-père, je pensais. Non. Non, on débranche pas le grand-père, la grand-mère, on laisse tranquille. On débranche soit la caméra, le micro gauche de Tatan, le micro. Ouais, tu sais quoi, je vais me débrancher, je me gave un peu. C'est parti. Bah c'est bon, on fait pas cette tête. Ok, c'est allez, bon. C'est tu l'as mis sur la clé déjà, on est tout bon. Ok les gars. Je l'ai mis. Vérifie ton live. Voilà donc.
Les gars, en attendant, on va avoir la Team of the Week qui va arriver là très rapidement. Et puis, on va également parler. Ce sera Émeraude, d'ailleurs. Ce sera, Émeraude. Ce sera la Team of the Week Émeraude qui va sortir là dans quelques instants. La Saphir tardera pas trop dans tous les cas. Elle, on vous la communiquera, je pense, après le. Il y a un petit message de rageux. Après le live. Non, pas du tout. On vous mettra les pros, mais la vidéo arrivera sûrement demain. Petit message de rageux de Tomer Célan. T'as envie de lui répondre? Tomer Célan. Je n'ai pas vu. 500 FR pour ça. Le Zanetti est plus dur, je trouve. Oui, bah après, voilà. C'est des choix. Didier Deschamps. Ouais. Il faut faire de parler, en fait. Vas-y, pardon. Voilà. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, on va partir sur la Team of the Week. Avant ça, on va peut-être faire un petit point mercato. Tu as eu beaucoup de messages. On vous a demandé de nous envoyer un petit peu les dernières nouvelles, les départs, les arrivées. Et donc là, on a quelques infos croustillantes à vous balancer. Est-ce que tu veux qu'on parte là-dessus ou... Oh là 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 là, oh là 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 là. Le gardien, oh là là, il vous a trouvé. Donc déjà le gardien de la Team of the Week, Émeraude, que vous avez en vu plus, à l'instant. J'aurais pas dû le mettre là. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait quoi du coup? On part directement sur la Team of the Week? Ouais. Ou alors moi je vous propose la Team of the Week, dans 5 minutes, on fait le mercato et on termine le live par la Team of the Week. Micro tatane, micro mercato, tu vois. Faut que tu parles plus près. Ok. Allez. Donc on va parler plus près, au pire je mets la perche. Il va faire sa blague, il va faire la tatane. Ouais, la tatane, c'est vrai, quand il tient son micro avec les deux mains. En même temps, c'est vrai, faut quand même lui dire qu'il arrête de tenir son micro à deux mains. Fabrice Santoro du truc, c'est tout. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Ouais. Donc du coup, tu veux qu'on fasse quoi? On fait quoi maintenant? Parce que là, on a du monde. Qu'est-ce qui se passe à 4h du mat aujourd'hui? Ah oui, à 4h, la Fed Cup, si vous avez envie de regarder les dames jouer au tennis, c'est à 4h du matin. Il a des clips beaucoup plus intéressants que les miens. De ce que les gens ont dit dans le live, non, hein, ils ont on dit. A une communauté qui a. Assez... Parce que dans le live, je précise quand même, on a eu un commentaire qui disait vous enlevez la caméra, bonjour et bienvenue chez Jackie et Michel. Donc, en tout cas, Tatane, tu sais si jamais si tu veux arrêter le Tudge Game, ce qui te reste à faire. Donc, du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on parte. Là, on aura la. Tu l'as même pas. On comprend. Hein. Tu veux le mercato ou tu veux une Team of the Week? Tu veux quoi? Je sais pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi en premier? La Team of the Week, le mercato? Ils veulent, tu sais très bien ce qu'ils veulent. Ok, donc on va faire l'inverse, donc on va partir sur le sur le mercato. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la Team of the Week, et puis ensuite on va finir sur le Est-ce qu'on m'a récupéré? On m'a récupéré. Ouais, je crois qu'on t'a récupéré. Nice. C'est bon? Tu veux quoi? Mercato? Team of the Week? Allez, la Team of the Week. Allez, c'est parti les gars, là il me et après on vous fait la Saphir, on s'arrêtera joueur par joueur bien sûr. Moss à l'attaque, on se commande ça ensemble. Je crois qu'il y a, on peut la commenter. Hein. Allez, je la mets en grand et on commence avec le gardien Jeronimo, celui qui a fait la triple parade notamment dans le top clip. Le défenseur gauche de Samcro, Johan 27. XSF Bonucci pour Invictus les gars. Encore le un joueur. Défenseur central, encore un défenseur central d'Invictus, Buzz Flex. On enchaîne. Ah, on a fait deux fois Johan, merde. Bon, on vous dévoilera le DD. On vous le dévoilera. Le DD, c'est la surprise après. Bunny 937 ans, MDC pour Samcro. Mille FAP à toi, donc mille FAP pour tout le monde d'ailleurs. Agonomy 38 de Invictus en MDC. Décidément, Invictus très représenté dans cette Team of the Week. On a encore Obsession N'Golo en MC. Bien joué, mille FAP pour toi également. Et je crois que ce sera encore du Obsession puisque c'est Ronaldo et il a pas des FAP lui. Lui, il n'a pas les FAP, lui il est dedans mais il n'a pas les FAP, donc 1000 FAP bien 3, sûr. En attaquant, on a Dilagno 09, l'attaquant de Samcro, 1000 FAP à toi également. Compléter ce 4-3-3, on a Irkan 33 de Orcs Grand Poitiers. Bah, une belle Team of the Week. Une belle Team of the Week, beaucoup de Invictus, mais il faut se dire aussi, Invictus a fait une très très grosse semaine. Bien sûr, notamment une victoire face à la peste scapulaire. Ok, félicitations les gars. Qui est le DD? On va peut-être le. On va vous dévoiler le DD. On va chercher sûr, le DD. Hein, et parce on va que... aussi. Alors, avant de passer sur la Team of the Week Saphir, ce serait bien qu'on fasse quand même le petit point mercato. Et puis on pourra finir, je pense, le live par le. Si vous avez des idées de trucs qu'on peut faire tant qu'on est là. Alors, bon, je me. de rubrique qui vous plairait, les gars. Allez-y. On est preneurs. Si vous avez envie de passer aussi dans le live pour lâcher un petit message aussi, on peut faire ça. Hein. Le live est ouvert. C'est vrai qu'on donne un peu moins la parole par rapport à l'année dernière quand il y a les extra time. Mais est-ce qu'on donc, faire aussi, n'hésitez c'est un pas. Petit interview aussi, il y a des joueurs qui nous, bah, c'est ce que, en fait, nous ont demandé. Ouais. Bah, on l'a fait tout le monde, non? Non. Bon. Il y avait Dilagno aussi. Dilagno, pardon. Donatello qui voulait passer. Mon ami Donatello. Son ami Donatello qui voulait passer dans le
Ouais. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire oui. Je sais plus où j'ai mis. Hein, je... Ah là, forcément, si je vais pas dans le dossier Team of the Week, ça va être compliqué. Et on a le DD qu'on cherche. Alors, celui qu'on n'a pas dit. Il est là, ouais. C'est un joueur de Sam Crow. La surprise. Et c'est Anna 91 810. Exactement, donc Anna, bien joué à toi. Tu remportes également j'allais dire 10 000 EFAP, ça aurait fait un petit peu beaucoup. Ah, tu remportes 1000 EFAP comme les autres. Il est sur ta gueule. C'est moi, je vais voir si je fais avec la main. Ça enfin, va le faire à 3 avec Anna, voilà, comme ça. Voilà. Non, là. Avec voilà, Anna, voilà, t'es là, mec, t'es là. C'est compliqué les caméras comme ouais, ça. Ouais, c'est un petit peu dans le. Ouais. Voilà, bon bah Anna, écoute, merci beaucoup. Salut Anna. Et excuse-nous. Je suis sûr qu'il a fait une vanne dans eux, disons que. De Sam Crow qui sont en Team of the Week cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Mercato ? Mercato, c'est parti. Esta el Mercato ? Bah déjà, on a pu avoir quelques infos juste avant, avec notamment les départs, les arrivées chez SNM. On a pu avoir également l'info de Oblak, qui est en train de signer peut-être chez Imateur. C'est en train de se faire également. On a également différents joueurs de LDS. Donc, ça a beaucoup, beaucoup bougé chez LDS. Bah, je te laisse peut-être annoncer des joueurs de LDS qui ont signé chez la Dim Team. Ah oui. Oui. Vas-y, vas-y, non mais. Je suis timide, c'est pour ça. On a Luzisco et Pierrot qui vont rejoindre la Dim Team. Bah, y a Puyol 5 aussi également qui revient lui de LDS. Donc les trois joueurs viennent de ce club là et vont aller du côté de la Dim Team. Alors pourquoi 21 et 17 Alors ça, c'est les numéros des joueurs. Par contre, Pierrot, je crois. Alors je sais pas si je me trompe, mais je crois que Pierrot ne vient pas de LDS. Peut-être que je dis une bêtise. Alors je sais pas, c'est à confirmer. En tout cas, il y a ces trois joueurs qui sont en transfert. Pierrot de NSN. De NSN. De merci, NSN, merci Louzy. Tu remportes notre respect. Voilà. Oui, parce que si on remporte des EFAP à tout va, là, ça ne va plus. Bah, en même temps, il fait le taf qu'on n'a pas fait, quoi. C'est ça. Ah, on a perdu 20 viewers. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Bon. Et puis ensuite, on a également chez la Dim Team Moff Tarkin qui reprend du service au poste de gardien. Ouais, au détriment de Nalka. Exactement, j'avais fait quelques tests, effectivement, chez Dim Team. Tu l'as dans le cul. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses mais l'international n'est pas toi. Hein. Il, y a enfin, il y a des petits rebondissements qui sont en train de se produire. Je ne pouvais pas tout. C'est un ancien international, mec. Hein, c'est tout. Tu ne peux pas. Tu peux pas tester. Comme si Lloris revient. On ne peut pas. Bah, ouais. Bon. Sur Emetters. Sur Emetters. Au Black, on l'a vu. On l'a interviewé. Vous allez regarder dans le replay si vous voulez. Et Ryan G, qui vient des anciens, pour aller chez Emetters. Ça a été fait aujourd'hui. Et je crois que c'est un joueur qui a été prêté directement aujourd'hui. Des anciens, du coup, chez Emetters. Alors lui, non, il a rien. J'ai aussi beaucoup d'infos sur LDAS. Hein. Je vous le dis, j'ai ça dans la besace. Ça va venir. Juste qu'il faut que je le trouve. Ah, il est là, mon ami. Il est là. Alors, Pierrot, on l'a. Luzisco, on l'a. Dime irait à Ubitim. Alors qu'il était pressenti pourtant chez Dim Team, mais au final, rebondissement avant la signature. Et il est parti du coup chez Ubitim. On a également aussi une rumeur qui court pour notre ami Gégir qui serait pressenti à la Orcs. Petit suspect. Près de Tidus. Autre rumeur, Nalka pressenti à la Orcs. Ça, c'est des infos qui sortent du chapeau. Hein. Mais effectivement, peut-être, il y a des choses. Les deux communiquent ensemble. Les deux, il y a des communications, mais moi je suis toujours... Il parle pas de staff UEFA, donc je pense que c'est pour un transfert prochain. Je ne dirai rien. Je ne dirai Tant rien. Tant que ce n'est pas officiel, il ne faut jamais communiquer. On est un peu comme Kylian Mbappé, tout ça, tu vois. Bon, pas dans un autre... Enfin, bref. Donc ensuite, on a également Bulroth et Heinz77 qui viennent de LDAS et qui ont signé à Poyos. On a même le montant du transfert. Vas-y. 6500 EFAP. Donc je pense que c'est pour les deux combinés, le transfert des deux joueurs pour 6500 EFAP de LDAS à Poyos. Merci bien. Alors il se pourrait aussi chez LDAS, il y a beaucoup de départs, mais on se dit mais que se passe-t-il ? Je crois qu'il y aurait une petite histoire, alors je veux pas, je vais être assez évasif parce que je n'ai pas trop d'infos non plus, mais une petite histoire d'un GM qui arriverait avec un effectif un peu clé en main, quoi, tu vois. Ah, ça j'étais pas informé, mais... Ouais, bah oui, bah, je ne dis pas tout. Mais, c'est un peu mystérieux quand même. Mais il se pourrait du coup que tous ces départs, on va dire, n'aient pas une répercussion aussi grave que... En tout cas, la Terre on a annoncé peut-être 10 départs, là, les mecs doivent se dire, mais LDS, ils vont faire quoi? Ah, Gégir qui veut intervenir, t'as vu? Bah, on va le prendre, on va prendre Gégir, les gars. En direct, moi je vais finir tout ça.
Oh là là, Gégir là, il sent qu'il est pas bien là, il va venir intervenir. Il s'est tapé la bouteille, hein, l'escroc. Donatello aussi qui veut passer, viens Donatello, on va discuter toi et moi. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire, Donatello. Allô Gégir. Oui Gégir, tu peux t'exprimer. Allô. Putain, ça wow. Bonsoir Gégir. Alors tu passes une bonne soirée devant le stream? Ouais, écoute, je vois un petit peu les gars dans le chat là qui essayent de trouver mon club. Il y en a rien à foutre. Pas mal. Le stream. Alors comment ça se passe? Dis-nous tout. Ben écoute, LDAS, donc ben, je voulais faire un petit point quand même vis-à-vis ben, de Gomis et son travail. C'est vrai que voilà, moi j'ai quitté le rôle de capitana. À la base, je comptais pas quitter l'équipe parce que c'est vrai que bon, il y a, comme tout le monde a pu voir, il y a eu des mauvais résultats. Pourtant, on avait fait quand même un effectif assez conséquent et avec la qualité. Tu te rappelles cet été, après, on parlait pas que de vous cet été, tu te rappelles? Ouais, cet été, ouais, on a. Bah, j'ai beaucoup travaillé à essayer de ramener quand même des joueurs plus ou moins connus de la commu. Bah, par exemple, Luzi, qui est quand même connu au niveau de la commu et qui a de la qualité. Après, c'est vrai que nous, collectivement, on n'arrivait pas à jouer ensemble, en fait. C'est juste, voilà, c'est pour ça que ça s'est terminé. On en a tous discuté. On n'était pas compatibles dans le jeu. On a tout essayé, tout le monde a mis du cœur et voilà, a tenté pour Gomis de faire quelque chose. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, dis-moi. C'est long, poteau, un peu. Pourquoi? Bah, tu connais, tu sais que t'aimes bien. tu nous fais une petite version, vas-y. Courte. Ouais. Il y a une personne qui a repris un petit peu avec son effectif clairement. Gomis lui a donné, on va dire, les clés de son club en restant quand même GM, comme il a fait pour moi, hein, la même manière. Gomis, il commence à fatiguer, hein, ça fait des années qu'il est dans le club pro. Et donc voilà, il va y avoir ce week-end, il va y avoir pas mal d'arrivées, pas mal de départs. Quoi qu'il en soit, Gomis, il restera toujours dans le club pro. LDS, c'est, on va dire, c'est voilà, ça restera toujours dans le club pro. C'est le seul GM que j'ai qui pour moi tient le coup dans la durée et qui pour moi a le mental pour voilà réussir et rebondir. Voilà. C'est bon? Bon, moi c'était court. C'est... Bon, les rumeurs sur toi du coup. Ouais, rumeurs sur moi. J'ai vu qu'il y avait Most. Donc effectivement, j'ai fait des tests à Most. Donc ces tests, ils se sont bien passés. Je donnerai pas le club où je vais aller, je laisserai le club l'annoncer. Juste, voilà, c'est pas un gros club, on m'a proposé un petit challenge. Voilà, moi je suis pas un gros joueur, donc je cherche pas automatiquement des gros clubs. Donc voilà, moi le principal c'est que je me sente bien et que et aussi que le club il porte l'intérêt sur moi, donc voilà. Donc j'irai pas à Most, j'irai pas à Ox et je n'irai pas aux anciens. Ah bah ok, et tu vas aller où concrètement? Je vais aller dans un club Ligue Saphir, et je donnerai pas le nom, et demain ça sera dévoilé. Bah on voilà. Est demain sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais décrire en un mot pour toi l'aventure EFA, ce que ça te représente? Un mot. En un mot incroyable. Incroyable. C'est vraiment pas mal la qu'on nous donne, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nalka? C'est magnifique. Merci, Julien. Non, c'est pas mal. Franchement, vous faites du gros taf et je vous encourage à continuer parce que moi perso, voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça monte en puissance. Merci beaucoup, Gégir. En tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais notamment des streams avec toi et j'arrive toujours pas à te maîtriser, donc c'est un plaisir, Gégir. Merci beaucoup. On a un petit peu rigolé pendant l'interview, mais tu sais qu'on te kiffe quand même, hein, tu le sais. Hein. Mais je sais, moi aussi, je te kiffe. Bon, bah ça va. Peut-être pas quand on aura vu le replay. Allez, merci beaucoup, Gégir. Merci bien. Oh putain de merde. On prend Donatello, hein. On prend Donatello peut-être un peu plus tard. Oui. Parce que là, ouais, les gens s'impatientent vraiment beaucoup. Ouais, mais faut que j'aille le récupérer de toute façon. Donc au pire, vraiment, vraiment les gars, c'est pas pour vous faire chier, c'est que faut que j'aille la récupérer. Donc juste le temps, tu lui parles 2 minutes. Et ok. Ok, mais c'était normalement votre échange donc. Non. Donatello, c'est ton moment, poteau. T'es là, Donatello? Ok, bah on va lui parler ici. Et s'il répond pas, tu meubles.
Ok, bah écoute, Donatello, je crois que t'es là, hein, j'ai ouais, vu. Ouais, je suis là. Ok, super. Ouais, je suis là. Écoute, bah écoute, Donatello, c'est vrai que ton nom n'évoque peut-être pas non plus... David Foot. Alors, peut-être que tu es pas forcément connu par tout le monde, donc que je pense être le cas également. T'étais passé par la draft, c'est possible? Ouais, c'est ça, j'étais drafté là. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer un peu ton parcours, et après ça, la Team of the Week, Saphir, arrivera. Bah anciennement là j'étais, enfin c'est mon premier club sur FA, anciennement j'ai fait d'autres clubs sur d'autres sites, enfin des clubs de Ligue 1, Vipère, etc. Et là actuellement à la D1 un peu de plus tard. Désolé, hein, on est en craquage complet, on est en fin de live. Ok, et du coup, t'as fait, donc là, t'as fait actuellement un club. Est-ce que pour le moment ça se passe bien? Est-ce que t'as. Non, mais là, tatane, c'est trop. Est-ce que pour le moment c'est. Oula! C'est le craquage de la fin. C'est pas une vidéo, pas est-ce là, que. Non, on va se ressaisir. Non. Je crois que je rigole. En fait. Non plus, je sais pas, mais ça fait un petit moment là. On bosse depuis assez tôt ce matin. Je le comprends pas des fois. Ce... Mais en tout cas. Du coup, est-ce que au niveau de ton bon, au niveau. Voilà, c'est chaud. Alors les gars, du coup. On va se ressaisir, Donatello. Au niveau de ton projet actuel, donc là pour le moment tu es chez Ideville Football, est-ce que tu as un projet pour l'avenir? C'est quoi? C'est de rester encore chez eux ou tu as un projet peut-être de départ prochainement? Là il y a le mercato en ce moment. Est-ce que ça pourrait être une idée de départ ou là tu es vraiment bien ancré dans le club et tu te sens bien, tu as envie de finir la saison chez eux? Non, déjà pour ce mercato, je vais pas bouger. Bonsoir. On va finir la saison chez eux. Après, même si les résultats ça manque un peu, là on te rend les 13e. Là, il manque un peu de résultats, mais on va finir la saison. Ça va bien. Ok, ouais. Ouais, donc pour le moment, c'est l'ambiance, tout ça dans le club. Toi, ça te plaît? Ouais, tu... ouais, pas mal. Ok, ouais. Il manque juste les résultats, quoi. Ok, bah là, nous, ce qu'on peut dire, alors c'est vrai qu'au niveau des résultats, nous, on peut pas faire grand-chose. On peut te souhaiter bon courage, en tout cas, pour l'équipe. On vous souhaite de réussir, comme bah, voilà. Toutes les équipes. Et une info, bah, tu peux, bah, on va te dire au revoir dans tous les cas. Est-ce que tu as peut-être une dédicace à faire à quelqu'un en direct, là, avant de partir? Ouais, dédicace à toute la D. Alors, ça, c'est un petit peu buggé, mais c'est une dédicace à toute l'équipe de la Déville. En tout cas, on s'excuse encore d'avoir rigolé comme des pocherons, comme des ânes. Parce que là, ça fait un petit moment qu'on est du coup dans le. Pourtant, on n'a pas bu. Hein. Enfin, si de l'ice tea et du coca, mais ça reste. Non. Mais en tout cas, voilà. Merci d'être passé, de nous avoir expliqué un petit peu. C'est vrai que là, pour le moment, au niveau du classement, tu nous expliquais, vous étiez pas non plus bien classé. Merci. Mais je fais une gégire. Ah, il fait une GG. Merci beaucoup, mec. Merci. Et voilà, on ciao, part ciao. Sur la... Bonne soirée. Merci, bonne soirée. On part sur la Team of the Week. On fera un effort sur le flash. Ah oui, on fera un effort sur le flash. Ok, allez, les gars, bon. On s'est pris un petit MP. Mais allez, merci beaucoup. À la prochaine. On peut pas dire ce qu'il y a. Bon, bah, ça vient de signer Obsession Ronaldo à Nantes pour 6000 FAP, nous dit Yestu. Non. Alors, je sais pas si c'est vrai. Tu veux venir, You, en parler là? C'est chaud là-haut. Mais attends, on va passer d'abord à la Team of the Week. Sinon, ouais. On passe à la Team of the Week, donc je te laisse lancer les images. Bah, en fait, je risque de toutes les mettre d'un coup, donc je veux pas trop faire de conneries. C'est lui le premier. Hein. Allez, c'est parti, Team of the Week, les gars. Donc, on a merde, en DC. C'est pas le premier. Mais c'est pas grave. On a en DC donc Tom RC Lens qui joue au FC Nantes. Ouais, c'est ça, félicitations. On va y aller doucement, on va y aller tranquille. Hein. Tu le vois, toi, le gardien là? Le gardien. Ah voilà, il est là. Le gardien. C'est quoi? De quoi? Bah, je sais pas, pourquoi tu rigoles. De Emeters. Non, Kenny de Emeters. Voilà. Félicitations, 1000 FAP. On va enchaîner avec. On vous mettra la vidéo sûrement prochainement. Dans tous les cas, la, vidéo, la vidéo va bientôt partir. Ouais, on continue. Un autre DC. DD même. On a Tugal 93, le latéral de Nantes. Yes. Et puis on les fait tous et puis c'est pas grave. Ouais. Oui, l'ordre sera peut-être pas le bon, mais voilà. Voilà. Donc vas-y. Je te laisse les faire tous. Ensuite, on a Aymeric de Alliance, également en DC.
Continue. On a également Sushit, le GM de Authentix ZPR. Bien joué à toi, mille et félicitations. Et ouais, la vidéo. La vidéo, là, on fait en speed. On a Senzera également, l'ailier droit du Thunder Hawk. On l'a vu ? On l'a pas vu encore. Eh bien, on va le voir tout de suite. On a également Slowny, le latéral gauche du FC Nantes. FC Nantes toujours bien représenté dans ses Team of the Week. Ah. En un peu plus petit. Kane. Pourquoi il est petit lui ? Je sais pas, on va voir. Bon, on va l'agrandir. Hop là. Donc on a Kaiser et le club, c'est. Tu peux me dire ? Warthog Sutong. Warthog Sutong. Je crois qu'on l'a pas vu. Igman. Igman également, c'est... effectivement. Bah, Warthog Sutong également, l'ailier gauche. Ouais. Et bientôt pour finir, il en reste peut-être que deux. Donc Barça à la base, le BU de Emeters, si je dis pas de bêtises. Ouais, lui qui a mis le but du top but. Le but du top non, but. Non, il a fait la passe. Je sais. Wow. La passe. Et puis ensuite, le MDC également, AK59. Bravo à toi. Donc MDC du FC Nantes. Alors je vais compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est bon. Donc, vous avez la team. On les revoit. Donc, on va les revoir un par un. Donc, on a Igman, Barça à la base, Kaiser, Slowny. Ensuite, on a également Senze. On a également Sushit. On a également Aimrizé. Et il en reste très peu. Il nous reste encore Tugal. Ouais, c'est là, on arrive. On arrive la à fin. La toute fin. Il nous reste encore Kenny, le gardien, DWS Kenny, et enfin Tom Excellence. Bah voilà. Tom Excellence. C'est moi. Voilà. Team of the rien du tout. Voilà. Allez. Team of the stream peut-être. Comme on est que deux, de toute façon c'est pas difficile. On a un problème avec Team of the stream. Bon bah on fait quoi ? Est-ce qu'on... Bah écoutez les gars, je pense qu'on est bon, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'il y en a peut-être un... Si vous avez une idée hein, les gars, si vous voulez passer ou quoi, n'hésitez si pas. Si vous avez envie de faire un petit tour... Et cette info Mercato là quand même, du coup. Cette info Mercato, et Yestud qui nous a annoncé quand même que Ronaldo de Obsession avait signé au FC Nantes pour 6000 FAP. Ouais, on fait gagner des FAP avant de s'en aller quand même. Fait un petit jeu, je sais pas, on est combien ? On est 50 ? On est 50, est-ce qu'on ferait pas un petit jeu ? On va faire un petit... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? FAP, une petite tournée là. Bah ouais, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu ? T'as une idée de petit jeu en direct ? Bah on fait une nouvelle édition du... Ou alors, ce qu'on avait dit en début d'émission, c'est vrai que Misa lui au final n'est pas venu. Est-ce qu'on serait pas un petit bingo ? Ah, bingo! Un petit bingo! Bingo! Rendez-vous tous dans le salon bingo sur Discord. Le Discord, on vous envoie le lien du Discord, on va être gentil. On va être gentil, on vous envoie le lien du Discord, je vais le lancer, donc ne lancez pas le bingo. Tu peux faire ça? Tu peux lancer le bingo? Je vais lancer le bingo. On met une carte PSN de 5€. On met une carte PSN de 5€, il prend toutes les responsabilités. Moi, j'ai rien dit, c'est lui qui assume tout. On va lancer le bingo dans exactement 10 secondes. Non, un peu plus. 20 secondes. Une minute. Donc on vous envoie le lien, il est on là. On vous envoie le lien du salon bingo. Pas. Attends, ils auront même pas le droit, je suis con. Allez. Ouais, donc c'est entre 0 et 1000, on va vous faire vivre ce bingo en direct. Je sais que c'est le succès de la semaine hein, vraiment. Et ces messieurs qui ont déjà commencé, bien joué les gars, la commande c'est bien, c'est ça. C'est la bonne commande. Je ne connais pas. Okay, tu bon, veux que je regarde non, avant mais c'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Vous avez l'air déjà assez nombreux, de toute façon, on est quasiment en direct. Mettez un petit check, mets un message. Et mettez un check pour montrer que vous êtes là. Mettez un petit emoji, un truc, celui que vous voulez. On va mettre même ça. Mettez un petit check, les gars, pour. Ouh là là, bah, effectivement. Tu vois, tu mets ça comme message. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Donc là, vous êtes bien. Oh, vous êtes nombreux. On démarre ? Eh ben écoute, c'est parti pour le bingo. Le vainqueur, s'il n'y a pas de vainqueur, on fait quoi ? On en fait une ? S'il n'y a pas de vainqueur, on en fait une ? Oui. S'il n'y a pas de vainqueur, on en fait. Mais vous n'êtes pas très fort s'il n'y a pas de vainqueur. Ouais, s'il n'y a pas de vainqueur avec autant de monde, c'est qu'il y a un problème. On va y aller. Une PSN de 5€ à gagner, les gars. Top, c'est parti. 5 ou 10 ? On peut en faire une à 5 et une à 10. Non. Allez, pour 5€ PSN, c'est entre 0 et 100. Et pour l'instant, oulala, ça... C'est entre 28 et 100. 28 et 99 même précisément. Ouais, on est sur un chiffre assez bas. Ah, attention, parce que là, c'est déjà... ils ont. Lino qui propose 100, Gégir 63... Et c'est moins de 100, attention, on est entre 60 et 100. Là, on est pas mal. Hein. Ouais, là, ça se précise. Attention, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a 15 secondes de délai avant de pouvoir... Repost, sauf si vous êtes bien placé. Voilà, donc
Et attention. Tu ne joues pas. On est sur du 97 là, en tout cas, on est juste en dessous de 100 dans ce bingo passionnant. Personne ne l'a trouvé. Ouais, toujours pas tombé le bingo. Il y a Erwan qui dit 11, il a rien compris. Est-ce que ça va tomber? Attention. Il a eu 99, je le sens 99 moi. Ah, moi je pense non, que c'est moins. En dessous, hein. C'est moins. Ouais, en tout cas, ils arrivent pas à suivre là, ils balancent tous des numéros. Il y a trop de monde qui joue, le bingo est en train d'exploser, mes chers amis. Le bingo est en train de péter. Non, mais tous c'est vers 80 là. Là, je pense que moi il reste très peu de temps. 60... Il reste 10 secondes. 78. Allez. Il reste 10 secondes. 78 de Will Smith. Will Smith peut-être sur le 78. Non, c'est un peu plus visiblement. Moins de 89, plus de 78. Allez, mettez tous un chiffre là, vu comment vous êtes, vous pouvez vous arranger. Et attention, il reste très peu de temps. Là, je pense que ça va il reste terminer. Très peu de temps. Attention, Irkan qui propose un 93. Il y a peut-être tous les trucs qui ont été. 82 de Will Smith, peut-être. C'est moins de 82. Moins de 82. Le temps est quand même un peu long. Hein. Oui. Bah écoute, tu auras un gagnant. Il y aura un gagnant au moins. Moins de 82, les gars. Ah c'est Lino. C'était 84, donc bien joué à toi. 5 euros pour un membre du staff. Et moi j'ai gagné une carte PSN au bingo dans la semaine et je devais la remettre en jeu, je vais le faire maintenant. Ok, bah écoute, on va noter déjà Lino qui remporte ses 5 euros. Est-ce que tu veux les remettre en jeu, Lino, ou pas? Est-ce que Lino, tu veux les remettre en jeu? Écris-moi un MP, comme ça je le verrai, ou un Alcar ou un MP. Merci. Voilà, si tu veux nous. Si tu veux et auquel cas, ce serait une 10 euros si jamais. Donc si jamais tu veux la remettre en jeu, effectivement, Lino, ce serait une carte PSN globale de 10 euros. Donc allez. 5 euros de tatane plus tes 5 euros, donc ce serait une grosse. Mais t'es pas obligé, non, en vrai, on fait un peu les enculés. Si tu veux se la garder, pourquoi pas? Oui, ah non, mais si tu non, veux mais la oui, garder. Ça... Ouais, mais on lui met un peu la pression là. Bon, bah écoute, vas-y, je te laisse lancer le bingo. Pour 5 euros, PSN à nouveau. Ok, bah écoute. Et on va... peut-être 10 si Lino est généreux. il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Lino est en train d'écrire. Non, mais après, il la mérite, franchement. Les gars. Ah, il a serré une main. Il a serré une Qu'est-ce main. Que donc, oui. Moi, je pense que c'est accès. C'est 10 euros. C'est 10 euros. Oh, Lino. Il est beau, ce Lino. Attends, on va quand même faire un petit truc. Vous êtes toujours là, hein? Vous êtes toujours tous sur le bingo? Parce que là, je vous dis, ça va partir dans quelques secondes. Ouais, le bingo, là, je vois qu'il est en train de préparer le bingo. Je dirais même là. Que ça part. Maintenant, les gars, c'est reparti. 10 euros de carte PSN à trouver. Entre 0. Tout de suite, entre 0 et 1000. Donc là, les gars, ça part. Là, par contre, va falloir être réactif. Ah, 666, le chiffre du diable de Nick, c'est dit que c'est plus, mais Miestune se met à jouer. Plus de 600. Oulala, c'est moins chaud. Que 800. Oulala, là, les gens, on peut plus. Ah, alors, c'est plus de 600, mais moins de 700, visiblement. Moins de 777. Ah non, même plus. C'est un peu compliqué là, il y a beaucoup. S'il y en a un qui arrive à le trouver rapidement, ça serait pas mal. Ouais, là, il y a 10 euros, les gars, n'oubliez pas. 10 euros. Alors, Yastu dit spam, hein, il profite de son avantage. On est sur du chiffre assez haut, hein, vers les 800 là, visiblement. Vous pouvez y aller. Il se dit que tout le temps c'est plus. T'as vu moins de 950, les gars. Entre 800 et 950, visiblement. Ça se trouve, tu leur donnes des fake news depuis avant. Non. Non. T'es sûr? Ouais, je leur donne pas trop, justement, pour être sûr de ce que je dis. Ok. Ouais, c'est entre. Ouais. Ça là, j'avoue que. Plus de 844 non, je dis de la merde. Alors, attention. Y a des mecs qui. Il y a 4 chiffres, je crois. Donc, ouais, ça s'arrête à 1000, hein, c'est assez haut, hein. C'est assez élevé, les gars. 864 de Yestude, ça ne passe pas. Alors, le bingo qui attend qui à son paroxysme. Le bot, il est pas bien. Moi, je vois Yestude qui écrit beaucoup. Ouais, bah, il a droit, les gars. Bah, il a droit, hein. C'est. C'est moins de 901. Ouais, moins de 901. Moins de 901. Allez, moi je me lance sur un prono. Estude, il a mis plus, mais c'est moins. C'est on moins. Va dire 819. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'arrive pas trop à vous faire vivre, hein, ce bingo là. Il est tendu, ce bingo. On ah, est vers les que... 700, 750. Ouais, moi de tête, j'aurais dit comme ça. Allez, je lance un prono, je peux pas en faire beaucoup, je peux en faire qu'un. J'aurais dit 819. Est-ce 819. Est-ce que je suis proche, est-ce que je suis loin? En tout cas, là pour bingo le moment. Endiablé, bingo hein. Le bingo qui est plus long qu'avant. Hein. J'ai l'impression que. Oui, oui, oui. Tout à fait. Pour 10 euros, les gars. 10 euros de carte PSN. La huche qui m'a écouté, qui a tenté le 819. Iggyman qui tente 7876, c'est un petit peu élevé. Un petit peu gourmand. On rappelle à 4h du matin. On rappelle également à 4h du matin. Et ah pas... Personne. Pas personne. ouais, mais c'est un peu long, il faudrait qu'on trouve un autre moyen là. Est-ce qu'on ferait pas... Les gars, revenez sur le chat. Est-ce du qu'on coup... ferait pas sinon... Alors, revenez déjà sur le live. J'ai une petite idée. Est-ce qu'on ferait pas... Parce que c'est vrai que on en a pas parlé, mais je tenais quand même à remercier Vatos et toute l'équipe Vatos, à remercier Diego Simeone et toute l'équipe du Discord qui ont mis en place les différents jeux avec Misa sur le Discord parce que c'est vraiment sympa. Petros aussi, je crois. Petros également, enfin toute l'équipe Discord, ouais. J'en oublie forcément. Mais là donc on a toujours cette carte PSN de 10 euros à faire gagner. Oui. Et comme il y a plein de jeux qui se sont mis, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire à beaucoup de monde. Là on est sûr au moins d'avoir un gagnant. Je propose de faire une course. Où tout le monde pourra s'inscrire. C'est quoi la course? T'as jamais fait la course. Mais c'est... C'est pareil, c'est la course de voiture. Tout le monde s'inscrit. Le gars, il a 4 ans, quoi.
Ah bah écoute, c'est un bingo, mais non, vas-y, flemme, non. C'est bien la course de voiture, les gars, bah, dites-nous. Dites-nous. Vous voulez une course ou pas? Est-ce que vous voulez une course? Ou sinon, on fait gagner 2 questions, on fait gagner 5 euros à chaque fois. Bon, dites-nous. Dites-nous si vous voulez une course ou pas. Moi, ouais, ils veulent pas les courses, c'est éclaté les courses, mec. Je sais pas, je sais pas, j'ai jamais joué. Bah, c'est les modes de jeu qu'ils ont mis, hein. Bingo, bah ils veulent du bingo. Ah bon, faites chier. Allez, bingo, bingo. On repart. Sans de les mecs, c'est repartir un truc, genre. Ah, ils veulent du bingo, hein. Bon, bingo, bah, bingo. Pas de course, ils veulent pas de course. On pas de course. Allez, vas-y, on voit le bingo direct, vas-y. On vous prend de court, les gars. Bingo, c'est parti. Bingo, bingo, bingo. Ceux qui étaient là sont les premiers servis. Et c'est parti, on fait tourner le bingo. Le forain, le forain d'Aka, c'est plus que 88, c'est moins que 500. Entre 88 et 556. C'est moins que 400, c'est moins que 342 entre pour le moment. 88 et 342. Ouais. Moins que 312, plus que 222. On est entre 222 et 312, les amis. On est entre 234 et 312. Il est pas sûr, là, vu le ton qu'il a pris c'est dans sa voix. C'est plus que 275. Et c'est moins 350. C'est plus que 280. Là, on est entre 280 et 320. Hein. Je pense qu'on va trouver, essayer de faire tous les chiffres, peut-être, là. Entre 280 et 320, les gars. Ouais, il y a du Lindsay, du Luzisco qui joue. Merci, les gars, vous êtes nombreux. Peut-être un 297, je dis ça, je dis rien. D'accord. Si c'est ça, je suis fort. Jumeau, Igman, Nyx, 250 Nyx qui propose... La Johnny aussi, petite imitation. C'est moins de 300, c'est sûr que c'est moins de 330, les gars. Ouais, moins de 330, hein, les gars. Le bingo qui bat son paroxysme. Je sais pas si ça se dit. Exactement, toujours personne qui a tenté le 297. Peut-être parce que c'est pas ça. Moi, je vais le tenter. Et t'atteins le... Et après, on sera obligé de refaire un bingo. Ah ouais, ouais, c'est bon, c'est pas ça. C'est pas le ça. Bot en PLS. Ah, ah oui, Maxer de Warthog Sultan qui remporte du coup... le nombre était 305, donc bien joué à toi, tu remportes une carte PSN d'une valeur de 10 euros. Donc tout ça à noter dans le salon EFAP. Oui, tu envoies une commande avec le point d'interrogation EFAP. Bon, bah, les gars, merci beaucoup d'avoir été là pour ce live tout à fait phénoménal. C'est normal, hein, j'ai mis 140p. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que les Team of the Week devraient arriver aussi en vidéo dans très le week-end. Enfin, après, c'est... On espère. On peut vous dire qu'il y a les flashs qui vont arriver toute cette semaine. 4 flashs, puisque forcément, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ligue des Champions tous les soirs, il va y avoir du stream commenté aussi. On va essayer de faire en sorte que Nalka puisse les faire. C'est vrai qu'il a un petit problème une fois. Exact. Ça lui fait mal d'en parler. qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des flashs présentés par Nalka dans 2 semaines. Ce sera un petit peu... Ouais, on est en train de réfléchir encore au format qu'on va mettre en place, mais c'est vrai que toi tu seras pas là, donc je vais être passé pour ces flashs, donc voilà, bon, de toute façon maintenant j'ai l'habitude aussi d'en faire quelques-uns, donc avec ton aide, donc là ce sera sans ton aide pour cette fois-ci. Ouais, on verra ce qu'on peut faire, ouais. On va gérer tout ça, on va le faire. Dans 2 semaines, et puis bah ouais, c'est assez cool. Si on manque un truc, les gars, dites-nous-le, et puis bah sinon... Je vais pas dire on va se rentrer, parce que c'est mal vu. Bah même eux, ils l'ont dit. Hein. Ouais, non mais d'accord, pas de soucis, je corrigerai. On se remet le tennis avant de s'en aller. Écoutez les gars, pour s'écouter, on va se remettre le match de tennis. Franchement, c'était un bon moment. Moi, j'en pouvais plus. Et puis, bah, merci beaucoup quand même. Il faut le faire, c'est la moindre des choses. Merci à tous ceux qui ont bossé sur ce live. Ouais, merci les gars. Nex, Yurk pour la Team of the Week. Yurk qui a également voulu faire un petit générique avec toi. Mais on était à deux doigts, pour la prochaine fois, on l'aura. Merci donc à Lino qui nous a aidés. À ceux qui sont venus faire des interviews. Miguel qui nous dit partons avant le match, mais non les gars. Ouais, tu peux. Merci à qui? Misa également qui nous a filé quelques trucs. Toute l'équipe. Nalka, moi-même. Oui, c'est vrai. D'autres. Merci à You pour le jeu également. Putain, c'est affreux. Merci aux du interviewés monde. Qui sont venus, ouais. Qui ont pris du temps ce soir. Merci à King pour le gros interview. Merci à vous tous surtout de nous avoir suivis pendant toute cette soirée. Ouais, puis dites-nous ce qui vous a plu ou pas plu dans ce live. Il y a le replay qui va arriver sur YouTube très bientôt. N'hésitez pas à le partager tout dimanche. Forcément, ce contenu reste encore valable, hein, on est d'accord, puisqu'il n'y a pas encore eu de nouveau match. Donc voilà, c'est bon. Partagez-le dans vos Discord, ce serait hyper sympa. Et puis, ouais, si bah, c'est pas cool. Quoi hein. Faire demain, hein, vous le regardez. Ouais, ouais, comme ça. Ouais, ah, les cons, ils ont fait quoi? Le tennis, mais n'importe quoi. On est là pour faire du club pro, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, allez. Merci en tout cas. Et puis, bah, bonne soirée, à très bientôt. Et puis, ouais, effectivement, dites-nous si ce format à deux, en binôme, là, comme ça, ça vous plaît. On pourra se refaire ça. C'est pas encore trop, vraiment, si on pourra le refaire. Mais en tout cas, c'était sympa. Et puis, bah, écoutez, hein. À plus. Allez, salut les gars, à la prochaine, continuez à nous suivre sur eSport FA, c'est un plaisir, merci les gars.
Et salut les gars, bon bah on se retrouve hein, en pleine journée, c'est les nous du passé en quelque sorte. C'est ça, bah, parce que là vous nous voyez ce soir, maintenant vous nous voyez ce matin. Tennis en 3 points mon gars, j'ai parié. Non, j'ai perdu les 4, enfin, ouais. il est pas bien là. On va se refaire. Bon, vous pariez les gars, on vous explique tout ça, on se retrouve juste après pour le match en 3 points. Il est déjà parti. Premier à 3 points, ça va être tennis normal les gars, pas de couloir, de service. Ah! Ah putain de merde! Putain! Volée de revers qui me coûte cher là, les gars. 1-0 Nalka. Ouais, on va servir. Team Tatane, hein, les gars. Ah, c'est pas mal. Oh bâtard! Wouah! Oh l'enculé! Oh l'enculé! Je vous avoue, j'ai mis un peu tout ce que j'avais sur ce verre. Enfin, respectez-moi, je suis un gros joueur. Mais... Oh le bâtard! 2-0 Nalka! Attention! Ah ah oh, si je l'ai touché, j'avais perdu, les gars. Je sais pas si on l'a dans la cam. Si je l'ai touché, j'avais perdu. 2-1. 2-1 Nalka. Ah! Oh la faute! Ah là là! 2-2. Service Nalka. Balle de match de part et d'autre. 2-2, point décisif. Le suspense est à son paroxysme. Comme dirait notre cher You. Allez, il m'a déconcentré, You, elle est pour toi celle-là. Ah, ah. Voilà. La team Nalka qui l'emporte ce soir. Il a serré la main à son adversaire, mais il a un peu les boules. Une réaction. Une réaction à chaud, écoute, pas très mérité parce que j'en ai perdu quand même 5 avant. Mais ouais. Une preuve de plus que je suis bien français, les gars, on perd quand il ne faut pas perdre.